Bonsoir, 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 merci. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. Merci. Et ce soir, vous serez ravis de connaître et de découvrir les invités qui vont nous accompagner. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Il s'agit de monsieur Patrick Timsit. Merci. Merci. Bonsoir, Patrick. Alors... Bonsoir. Oui, une petite boule à zéro. C'est sympa. C'est pour cacher la boule à zéro, quoi. Parce que vraiment, c'est pas beau de pas avoir de cheveux ouais, sur la tête. Ouais, ça va faire plaisir à Eric. je les prends, les premières vannes, je les prends. Je les digère et à un moment donné, ça va revenir. Quand c'est obligé, on peut pas faire autrement. Pour ceux qui ont oublié Patrick avec des cheveux, nous avons des images tout à l'heure. Pareil pour vous, Eric, avec des cheveux. Non, ça c'est... C'est du gospel. C'est la seule fille de notre soirée, mais quelle fille, mesdames et messieurs. Cette fille, elle est extra. Ça a été ça. Elle chante bien, elle est sublime. Hélène Séga. Elle est sensible. T'as vu la laine qu'on a? La laine, c'est tout. Si, sauf votre respect, si on applaudit 3 minutes à chaque fois, on finira minuit ce soir. Excusez-nous de respecter les invités. Hop, dans sa gueule. Hélène Séguéra qui a... Soit applaudi. Qui a sur elle tous les cheveux que vous n'avez jamais eus. Mais que j'ai sur le torse, en revanche. C'est le duo le plus déjanté de France, mesdames et messieurs. Ils sont en tournée et ils font rire tout le monde. Ah, et c'est quand même une merci qualité. Merci. Il s'agit bien entendu de Eric et Ramzy. Monsieur le Noir, Madame la Blonde. Il arrange tel Mitterrand. C'est bon. Quel showman. Mais quel showman. Ramzy qui prépare une carrière de chauffeur de salle. Je suis bien. Nous sommes ravis aussi d'accueillir une personne pour qui nous avons beaucoup d'estime. Il s'agit de monsieur Édouard Baird. Bonsoir, Édouard. C'est un modèle. Je vous demande d'arrêter les applaudissements. Je suis dans la retenue. C'est sympathique. Vous savez, moi, je suis dans la pudeur, je suis dans la retenue. Je sens de l'amour, je sens de l'affection du public, mais j'ai pas envie. En même temps, je sens du calme aussi, et c'est important. Et avec mon duo, eh ben non. Tu crois que c'est marrant de pas avoir de duo, d'être seul comme un chien? Mais non. T'as Pierre Belmar. Comment? T'as Pierre Belmar. Oui, mais nous, on tourne dans d'autres. À Tours, hier, on était à Tours avec Pierre. Ça a bien marché. À un moment, on a fait le truc de la serpillière. Et j'ai vu vos trucs sur Internet en Allemagne. En Allemagne, ça marche, mais c'est bien. Un jour, on est bien tourné en Hongrie. À l'époque, on avait un smoking pour deux. Je voudrais qu'on accueille. Écoutez, vous. Écoutez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ambiance de merde. C'est un dinosaure de la télévision qu'on reçoit ce soir. Je le dis à chaque fois. Non, mais ce soir, on en a deux. On en a marre, c'est vrai. On a les deux Pierre. On a Pierre Belmar, Pierre Tchernia. Bravo! Du Pierre de Pierre. Voilà! Entendu. Moi, je dis... Excellent. Il faut savoir écouter dans les coins. Il faut savoir écouter dans les coins. Qu'est-ce que vous avez dit, Eric? Merci. Excellent. Merci beaucoup, Bonnet. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, on a d'une pierre, deux pierres. Ah, c'est beau. Non, elle était mieux dans le bruit. Elle est pas mal. Je vais vous dire un truc. C'est pas facile de faire une dame. Moi, je suis pour cette dame-là. J'en suis. En tout cas, nous avons deux monuments de la télévision française, bientôt classés monuments historiques. Et vous pouvez savoir... Non, mais c'est vrai, c'est des grands moments de la télévision. Bien sûr, mais ont deux emplacements dans la Grande Muraille de Chine. Ah, oh, très bien. Ils sont magiques. On a l'impression, les deux du Muppet Show, vous savez, là, qu'il faut des... ils vont critiquer. C'est un peu facile, tout ça. Alors, tu parles de ce qui est pour moi le chef-d'œuvre tout genre confondu de la télévision. Eh bien, c'est un compliment, moi, on dirait les deux petits Muppet Show. Et depuis, il n'y a rien eu. Ouais. Alors, Patrick, tout à l'heure, dans les loges, vous me disiez que vous aviez adoré l'émission du mois dernier. Oui, mais si on peut en voir un extrait, d'ailleurs... Alors, qu'est-ce que vous aviez aimé dans cette émission? D'en voir un extrait, d'ailleurs. D'accord. Ce que je vous propose, puisque c'était l'émission consacrée aux plus belles images d'Internet, les plus drôles, d'en voir les meilleurs moments. Oh,
toujours. Hein. Hélène, elle est déjà morte de rire. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, juste deux choses. Ce soir, nous allons aborder deux thèmes, le cinéma et les grands fous rires du cinéma français et le jeu. Parce que Patrick, vous êtes un fan de jeux télévisés. Et de Bonnet. Donc ce soir, on va refaire certains grands jeux de la télévision. Non, mais je vais en trouver un de Bonnet, mais j'étais un peu pris par... On dirait une kippa. Oui, je veux dire... Mais allongé sur les voilà. côtés. Mais ça, ça va bien. Entre le pote et le pop. Kippa et pote. Oui, non. Oh, kippote. Bah. Alors, Oui, on a trouvé deux secondes, on a une vanne à retardement, ah, on peut la faire. Oui, ouais. Sur le bonnet. Ouais, c'était par rapport... Eh ben non, on va pas l'écouter. Non, si. Eh ben non, mais on attendez, va pas l'écouter. C'est dommage, on va passer à côté d'un super truc. Et tout le monde va être éclaté de rire, c'est sûr, à 100%. C'est sur le bonnet. Écoute, eh ben non. Si vous pouvez juste redire, on dirait une kippa. On dirait une kippa. Ouais, ou une capote. D'où... Non, c'est pas la vanne. C'est pas là. Non. D'où une kippote. On essaye tout. Hey, on a décidé d'être généreux, on essaye tout. Et vous savez quoi? Vous n'aurez pas la qualité, vous aurez la quantité. Ouais, Pas de plan sur moi pendant la vanne. Je la rappelle que toutes ces vannes ne sont pas dans le spectacle d'Eric et Ranzi, je vous rassure. Tout est écrit. Si c'est de la kippote, on l'a lié. Hein. Alors, dans la mise. Il n'y aurait pas des bonnets pour tout le monde, parce qu'il y a un petit courant d'air de ce moment. On a un courant d'air dans le cou, là, mais d'accord. Terrible. C'est la clim, mais c'est, vous allez voir, dans deux minutes, ça marche. Et si on parlait de clim pendant un moment, tous ensemble? Maintenant qu'on a parlé de bonnets, Pierre, chez vous. Oui, je ne me présente pas. Oh mon Dieu, mais regarde mon sexe, il est tout froid. Ça va, je vous dérange pas trop. Il y a Belmar qui vend des clims. Immédiatement. Faut saisir la propos, vous comprenez. Non. Mais dis donc, mais c'est de la popeline de veau, ça va chercher. Absolument. Mais ça va chercher dans les combien. Et la popeline de mouton est encore plus chère. La popeline de veau, Pierre Belmar. Il n'y a pas les prix sur vos fins quand vous êtes dans les émissions. Non, mais à l'intérieur, quand je les retourne. Il y a un numéro de téléphone qui clique. Bien sûr. Vous l'avez compris, ça va être une émission très, très, très tranquille. Hein. Mais c'est de gauche ou de droite? Il faut régler le problème, là, du petit courant d'air dans le cou, parce qu'on va être j'arrive pas à en placer une depuis tout à l'heure. Alors, on va démarrer tout de suite dans la bonne jeux. Humeur. Hein. Oui, avec des jeux, pas des images sur les jeux. On voulait commencer par un fou rire. On a trouvé des images d'un camarade que vous connaissez tous, avec qui vous avez certainement joué. Il fait partie, d'ailleurs, de la distribution de votre film, dont on parlera tout à l'heure. Il s'agit de Benoît Poulvorde, qui n'est pas là ce soir, puisqu'il savait que vous étiez là et qu'il choisit ses invités. Et donc, c'est sur le tournage de Rire et Châtiment. Et vous allez voir, il a un fou rire magnifique, et on voulait démarrer comme ça cette émission. Michael, si tu es prêt. Nous sommes dans un cocktail. Nous devisons... Et rien ne laisse penser que dans quelques secondes, l'un de nous deux va s'effondrer. Alors, Michael, comment se sont passées tes vacances à Coney Heron? Comment vas-tu, Michael? Comment s'est passé ce week-end à Coney Island? Nous sommes dans un cocktail, nous devisons, rien ne laisse penser que dans quelques secondes, l'un de nous deux va s'effondrer. Michael, si tu es prêt? Ce bruit, il y a un bruit bizarre. Un bruit. Ah oui. Il fait un bruit. Attends, ça va bien. Attends. Est-ce que c'est le propre du fou rire? Alors, on a plein de ratés, plein de prises ratées. Est-ce qu'il y a des prises ou des répliques que vous n'avez jamais réussi à dire? C'est surtout, on a une super anecdote justement à propos de fou rire sur la tour Montparnasse infernale. On a une scène où il y a la barre qui chauffe et je la prends dans la main et c'est une fausse barre. C'est une barre en latex, on peut le dire. Maintenant, les gens s'en foutent. C'est une barre en laine. Je peux dire la vérité. Et je me souviens que ce jour-là, Ramzy, pour délirer, avait carrément mis à la place de cette barre. Il avait carrément mis une latte de bois. Ah, c'est un fou. Je suis sûr que c'est vrai. Non, je te jure, véridique. Tu t'appelles la tête que t'appelles? Ouais. Oh. Je suis halluciné, quoi. Et les mecs. Intérêt, combien? Non, mais vous êtes des allumés, vous êtes des fous. Quoi. Hélène, on est des débiles. Attendez, c'est pas fini parce que... Ah, mais si, c'est fini. Non, c'est pas fini. J'ai une phrase qui calme à chaque fois Eric et Ramzy. Oui, c'est enculé. Oui, le gospel. J'ai des images de gospel. Voilà. Oui, et j'ai des images de boom. Non. Si. Moi, je veux bien voir le gospel. Ça, les gens... Ils nous ont fait du tort, ces images, vous savez. Mesdames et messieurs,
Après cette image... Ça ne nous fait pas rire. Eh ben, vous allez voir, ça vous fait pas rire. Non. J'aime bien voir ça, c'est moi. La... Non. C'est un petit truc de pression que j'ai sur lui. Oui, ouais, Patrick, non, on a de la chanson sur vous aussi. Oui, et ben on va pas les passer non plus. Ah, bah, c'est avec la veste. Voici Eric, jeune, chantant du gospel avec des cheveux. Elle est bien, celle-là. Attention, boum. Merci, merci. Tout est collectant, le gilet, le micro. J'étais dans la sape à cette époque. Et même la bouche, je trouve que tu fais avec la bouche. Bouge la bouche vous écoutez quoi comme style de musique? Hélène Segarra, moi. D'accord. Hélène, vous écoutez quoi? Mes disques. Patrick, vous écoutez quoi à la maison? Un peu de tout, je mélange. D'accord. Non, des disques de tout, il écoute. Oui, partout. On va rester dans la chanson. Et saviez-vous que Pierre Bellemare a chanté Antisocial, tu perds ton sang-froid de trust? En jungle, en plus. Il n'y a pas un quart d'heure dans ma loge sur le genou. Voici des images cultes. Vous étiez invité de la grosse émission et vous deviez chanter en karaoké dans une fuego, on peut citer. Avec Cadet Olivier, c'est Olivier. Vous allez voir que ça déménage, regardez. Raph, quand tu veux. Faut dire qu'à l'époque, au moment où j'ai fait ça, je ne savais pas que j'allais faire ça du tout. Évidemment, il ne me prévenait pas, Cadet Olivier, la surprise. Et d'autre part, le hasard faisait que je n'avais pas entendu cette chanson. Donc je suis arrivé dans ce truc complètement comme ça, à l'impro. Mais c'était assez amusant. Alors c'est un jeu. Vous dites, je ne savais pas. Vous ne saviez pas que vous étiez filmé, vous étiez en voiture avec Cadet. Je savais que j'étais filmé, mais je ne connaissais pas du tout cette chanson. Et je ne savais pas qu'elle allait m'arriver. Ils sont en voiture avec Cadet avec leur manteau de fourrure, tranquille. Ah oui, une caméra cachée. Ce jeu est un classique des jeux. On va tester tous les jeux. Ça s'appelle la chanson arrêtée. C'est-à-dire qu'on met une chanson avec les paroles, on arrête, vous devez continuer de chanter. Ah, vous avez vu? Non, mais ça souffle, là, on est d'accord. Hein, ça souffle. Mais non, mais c'est parce que vous n'avez plus de cheveux que vous sentez plus l'air. Mais oui, mais et alors, on peut respecter les gens qui n'ont pas de cheveux? Non, tu m'en regardes. Plutôt que m'émaner en permanence, et c'est pas drôle. Tu alors, mais non, mais c'est dingue. Pourquoi tu les as pas mis, tes cheveux? Je plaisante pas, venez. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec une perruque? Sérieux, tu veux qu'on change? Sérieux. Vas-y. Non, mais juste, essaye. Vas-y, on change. Essaye. Non, pourquoi c'est moi qui change? Non, mais juste. J'ai pas de cheveux non plus. Je peux comprendre, vois-tu, mon petit souci. Alors, le temps que l'on baisse le niveau de la clim, nous allons jouer à ce jeu la chanson arrêtée. Hein, moi, je suis avec Arthur, là. Oh, la vache, le courant. Putain, la vache. La vache. C'est vrai, c'est violent, putain. La vache, la vache. Non, tu fais pas. Non, sérieux. Sérieux, il y a un vrai problème. Non, mais sérieux. Non, vas-y, assurez. Non, mais sérieux, toi, assurez, là. Eric est prêt pour les rôles des States. Aux States, il y a beaucoup de rôles dans le vent. Je plaisante. Oh, les mots, sérieux, il y a un vrai petit truc, là. Au secours. On fait quoi, non, mais c'est pas pour embêter. Quand je vais rentrer chez moi. Ce n'est pas pour gâcher l'émission. Oui, j'avais un micro. Il y a une patate, Patrick. Patrick, venez à côté de moi. Patrick. Avec plaisir. Venez à côté de moi, Patrick. Avec plaisir. Je peux prendre mon siège? Ah, bah, si vous voulez, alors mettez-vous là. Je suis plus haut assis. Non, de l'autre côté, mettez-vous là, parce que là, vous ne serez pas dans la lumière. Même moi, j'ai de l'air, là. Mettez-vous là. Mais là, il fait super bon. Bah oui. Non, là, il fait pas bon, là. Patrick. Vous y arrivez, Patrick. Ah, on va faire toute l'émission sur la météo. Pardon. Je... Ça dépendra de vous, monsieur Arthur Tchernia. Patrick, c'est bien votre prénom? Oui, tout à fait.
nous allons faire comme avec Pierre Belmar. Nous allons envoyer une chanson de Quand je vois tes yeux de Denis Briand. Je vais repartir là-bas. Et finalement, la clim, on va ça me arrêter pas. Le son. Vous allez continuer à chanter en lisant les paroles. J'avais pas bien. Et ben, c'est vous qui l'avez demandé. Oui, oui, et quand on va sûr. Remonter la musique, il faudra être calibré. Mais tout à fait, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut demander à Serge d'envoyer la musique? Avec un immense plaisir. Je suis volontaire, là. C'est chaud, j'adore ce qui va. Je suis fan. Ah, je suis fan. Vas-y, vas-y. Je suis amoureux quand j'entends ta voix. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux quand j'entends ta voix. Je suis fou de joie quand je vois tes yeux. Je suis amoureux quand j'entends ta voix. Je suis fou de joie. Tu as tant de charme et c'est là mon drame. Car je suis sans âme lorsque tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler. Je suis amoureux quand j'entends ta voix. Edouard, à vous, Edouard, j'en prie. Je suis amoureux quand j'entends ta voix. Je suis fou de toi. Tu fais des rages, je manque de courage. Ah là là. Non, mais attendez, attendez, moi je sais le refrain. La musique bouger, quand j'ai pas côté. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. J'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Eric, mais tu me vois le chorus. Comme souvent je te rencontrais. Pour l'instant, c'est... Je suis désolé, le seul qui a vraiment assuré, c'est Patrick Timsit. Et c'est vous aussi, vous pouvez chanter. Et alors, attendez, on va vous passer des chansons tout au long de cette émission. Et chez vous, poussez les meubles et nous allons chanter ce soir. Alors, et Patrick beaucoup a eu... de tubes. Et Patrick a eu une idée, il me disait pourquoi on ne fait pas une émission où... Où les gens chanteraient des chansons connues. Voilà, et comme on un fait... karaoké. Voilà, avec les filles contre les garçons. La folie. La folie. La fièvre de la folie. Alors... Je suis enrhumé. Patrick, je parle voilà. Du nez là. Ouais, ouais. Je parle du nez. Moi, je t'entends plus. Patrick. J'entends plus de cette oreille. Là. Mais je plaisante pas. Vous êtes sur ma mauvaise oreille, Arthur. Patrick, là, vous avez un look super sobre, mais vous n'avez pas toujours eu ce look. Et là, ah, et là. C'est pas drôle. Non, non. Et non, moi, je préfère qu'on chante tous. Eh ben alors, justement, ce que je propose, c'est qu'on chante tous sur une chanson qui est désormais culte dans les enfants de la télé. Ce n'est cette pas... chanson qu'a réclamé Ramzy. Avec... Hein, ah, c'est moi, et... c'est moi, ouais. Quand il gesticule. Ouais. Gesticulos. Oh, ouais. Ouais, gesticulos avec la veste incroyable. T'as une veste incroyable. Ah, c'est le même qui t'a vendu c'est le bonheur. Chemise, c'est une chemise. C'est déplacé. Il a eu le gospel, tu peux avoir ta danse. Ouais, ça non, mais attendez. Excusez-moi, le gospel, excusez-moi, c'est du Barry White à côté de ce qu'on va entendre. Peut-être revoir le gospel. Non, j'ai pas bien vu la première fois. Alors, c'est vrai qu'on a souvent passé ces images de Mani Manana. Mani Manana. Ah oui. Vous en avez vendu combien de ce disque? 4 si je compte mes parents. Si je compte mes parents. Alors regardez ces images parce que tout est collector. Puisque à l'époque vous aviez des cheveux un peu. Des cheveux. Un peu frisés. Possible, possible. Je ne démens pas, j'assume. Une chemise magnifique. Possible, et oui, oui, j'assume. Je ne sais pas si c'est la chanson ou la chorégraphie qu'il faut retenir des deux, mais c'est un grand moment de grâce musicale. J'assume, j'assume. Je vous entends, je ne vous comprends pas, mais je vous entends. On écoute, ou on regarde. J'ai très très mal à l'oreille et ça se paralyse de tout ce côté-là. Oh là 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 là. Excuse-moi même.
C'est pas des métiers faciles. Retire d'avance ce que tu vas dire. Patrick, c'est beau parce que les gens, on l'a tous fait le mani manana en chemise à fleurs. On est tous passés par là. Si on en est là où on en est aujourd'hui, vraiment au top du showbiz, c'est parce qu'on a fait mani manana en chemise à fleurs avec des bretelles. Je crois. Si vous avez un commentaire à faire, vous. Non, tu regrettes déjà ce que tu vas pas dire. Non, je dis rien. Non, je dis rien de déplacé. Dis-le que tu l'as pas fait mani manana en chemise à fleurs. Jamais. Mais on parle pas de cette danse là, la danse. Non, ça c'était des copains. Mais ton pote, c'est un truc que t'as appris. Pourquoi ? C'est le compositeur, monsieur ! C'est le compositeur ! Ah, ça ça oui. Se voit, eh ben on le voit bien. Non, parce que ce que Patrick nous a jamais dit, c'est qu'il y a eu un clip. Ah. Un clip de Mani Manana. Sans que je sois au courant, alors. Réalisé par René Père Champagne. qui est en prison maintenant. Attends. Avant de passer les images, j'aimerais qu'on en discute un peu. Alors, après Patrick en Larry King avec la chemise de Carlos, il y a eu un clip, Manana, un clip qui est passé une fois. Dans un jukebox, en test. Et c'est une ambiance salle de billard. Vous vous en souvenez de ce clip? Je ne m'en souviens un pas. Un décor magnifique, à tomber par terre, une chorégraphie qui a rendu fou de jalousie Kamel Wally. Régalez-vous, appréciez ces magnifiques images. Oh la vache, mais qu'est-ce que j'ai fait? La journée. Pas regarder. Je peux pas regarder. Alors, ouais. Non, non. Va pas continuer. Ce n'est pas moi. Pour commencer le réveil sans être sur la vie, il faut se lever. Déjà dans ce mal. Mais où vous avez trouvé ça? Avant de se maquiller, de se parfumer, à se baigner. Et là, elle est tout bonnet, elle est enfin prête. Un supplice. Hélène. Un supplice. Hélène, est-ce que quand vous étiez jeune, vous alliez au boom et tout? Oui, vous aimiez les booms. Ah. Ma mère laissait pas trop y aller. Elle vous laissait pas trop aller au boom? Ou alors j'accompagnais ma sœur, mais je gardais le sac, quoi. Bon, autant crever l'abcès tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Les lunettes que je porte dans cette boom. Vous savez de quoi je parle, hein? Bien sûr. Ce sont les seules lunettes qui étaient remboursées par la sécu. Ce qui fait qu'elles sont pas à ma taille. C'est pour ça. Deuxième point. La coupe de cheveux. Je savais pas encore quoi faire avec mes cheveux à cette époque. Donc c'était nature. Ouais. Troisième point. La fille que vous allez voir est une fille... non, elle est sympa, vous allez voir. D'accord, elle est sympa. Il prend un énorme râteau. Ben, j'ai boxé toute la soirée, toute l'après-midi, pour rien. Voilà. Des belles images, donc il a compris de quoi il s'agissait. Voici un extrait culte d'anthologie, puisque c'est Ramzy en boom. C'est une de mes rares booms de ma vie. Hein. Et attendez. Et c'est pas une émission de télé, c'est un membre de sa famille que je ne citerai pas qui nous a donné la vidéo. Ouais, c'est son frère. Pas. Regardez. Y'a que des mecs. Ah, j'ai pas les lunettes. J'avais pas les lunettes. Vous voulez dire qu'il y a une autre boum avec des lunettes? J'ai une autre cassette avec des lunettes. Heureusement, parce vous que l'avez tu les pas, avais enlevées, t'allais embrasser. Bah, j'étais en train de draguer, bonsoir. Et vous avez remarqué, il y a 12 mecs et une seule nana. Et elle est pour qui la meuf? Pour Bibi.
Alors, vous vous souvenez de dessiner, c'est gagner. Ouais. De vouloir voir qui des dessine images. Bien. Qui moi, dessine allez, bien. Moi, j'y vais. Ok, vous choisissez un papier au hasard et vous devez dessiner ce qu'il y a dedans. Pour le faire deviner. Oh, remarque, je sais pas pourquoi j'ai dit moi. Hein. Oh là là, quelle horreur. C'est quoi mais... Il faut pas nous le dire. C'est pas se boucher, c'est pas se boucher. Malhonnête. Non, mais il faut pas le montrer. Ça va, le montre. Bah oui. D'un autre côté, se moucher, faut le dessiner. Hein. Le montre. Ouais. Allez, allez-y, Hélène. Faites-moi voir, s'il vous plaît. Je vais vous le rendre. J'ai combien de temps, là? Bon, j'y vais. Hop là. Comme ça. Alors, je vais quand même le montrer avec caméra. Allez-y, dessinez. C'est quoi, ça? De quoi il s'agit? Pousser un peu, non? Ça, ce sont des ronds. Non, voilà. Mais c'est et un peut-être truc... que Serge peut mettre c'est le dessin d'Hélène sur les murs d'image pour le public. De la neige. Déjà... Ah, ce sont des oiseaux. Oui, mais ça, c'est quoi? Un œuf. Oui, oui. Très bien. Ah, c'est donc, des œufs. Une omelette. Mais vous avez un autre métier. Bravo. Bravo. Je vous l'avais dit, hein, je dessine bien. Ça, c'est une poule, ça. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Je vais mettre là parce que c'est un petit peu plus chaud, là. Ça va être très rapide. Ah bon hein. De l'autre côté, on aurait pu les dédicacer. Je vais ça. Mais c'est Ramzy, Derek et Ramzy. Non. Tiens, comment tu vas? Et toi, comment ça va? Génial, t'as la télé. Ça va, génial. Ramzy, je vous en prie. Ça va, c'est super de te voir, là. Je l'adore, ce mec. C'est génial de le voir en vrai. C'est fou, il est bizarre. Bon, il est plus grand. Si alors là, cherche, Patrick, il est chers champion. Chers téléspectateurs, vous pouvez vous mots. Aussi jouer chez vous. Je vais le faire en deux mots. Attention. Je vais le faire en deux mots. Ça, ça c'est un radiateur. C'est un radiateur. Peigne à dents. Peigne. Un peigne. Peigne à dents. Peigne. 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 C'est un peigne. C'est un peigne à jouir. Peigne. Non, peigne. On reste sur peigne. Ah, pardon. Un peigne et un rond. Là. C'est un monsieur. Un peignman, oui. un coiffeur et sa femme qui est le monsieur, un autre coiffeur. Il est là, il est de quelle couleur ce monsieur? Il est noir. Il est blanc. Non, lui, un peigne blanc. Non, lui, blanc. Il est quoi, lui? Il est blanc. Blanc. Et le lui, noir il est... du peigne noir. Noir. Donc, le... peigne noir. Peigne noir. Peigne noir. Peigne noir. Merveilleux. Oh, c'est la même. Oh oui. Oh oui, ça faut dessiner. Magnifique. Bravo. Monsieur Belmar, allez. Oui. Je t'ai coupé le mot. T'as vu, Patrick, que je t'ai évité ça. T'as pris. Peigne noir. Attendez, mais vous voulez prendre ça devient n'importe quoi. Je dessine là-dessus. J'ai vu avec la prod, c'est bon. Bon. Ça, si vous trouvez... Bon courage, Pierre. Alors. Une saucisse. Chirac. Un ver de terre. Un tracteur. Un viking. Une gondole. Un dracard. Une gondole. Un gondolier. Un suédois. Une fourchette. Alors ça se passe où enfin quand même dans Venise. Merci. Bravo. Bravo. Ah bah oui, je m'en Venise. Bravo. J'étais complètement ailleurs. C'est sympa ces petits jeux. Hein. Normalement dans le vrai jeu on va pas parler. Ça fait un peu fauché comme non, émission. Ça fait un peu. Alors on a un petit cadeau pour vous. Vous parliez tout à l'heure de ce fou rire que vous avez avec votre ami José Garcia qui vous a pris une journée de tournage. Oui. C'était sur Quelqu'un de bien, un film que vous avez réalisé en 2002. Et on n'a pas résisté au plaisir de montrer ces images. Eh ben ton frère c'est un enfoiré. Allez maintenant on rentre. Hein. Ah merde, fais chier. Quel salaud. Merde. On fait quoi là? On joue ou on parle à la parlante là? Allez on y va. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des enculés, hein. Il y a des jaloux, hein. On est dans un pays de merde. Ah, mais il y a des enculés, hein. Ah, il y a des jaloux, hein. On est dans un pays de merde. Tenez, Paul, un petit moment à la menthe. Non, ça va, merci. Bon, on joue à quoi? À la parlante ou quoi? On reprend le jus? Putain, vous êtes niqué. C'est pas possible. Le début. Non, mais si, le début. Depuis le début. Mais t'en fais un truc, on dirait une vieille. Merde! Je vais mourir de froid. Attends, j'y vais. Allez, qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? J'hésite à comprendre. Elle s'est patientée un petit peu. Putain, mais c'est quoi ce pays de merde? Oh, c'était terrible. Et c'est vous en plus qui dites...
vous le réalisateur qui déclenche le fou rire. Une horreur, une horreur, une et horreur. Et ce que j'ai appris, parce qu'on avait reçu José Garcia, c'est que vous aviez des combinaisons vos costumes, alors que la pauvre chérie, là, la comédienne, elle se pelait toute la journée, vous avez des combinaisons en néoprène. Oui, Marianne. Non, mais parce qu'elle avait le ventre à l'air, donc ça passait pas la combinaison sous le t-shirt. Alors que nous, effectivement, après, elle s'est rendue compte qu'on voyait pas nos chaussettes et qu'on voyait deux petits trucs. Une journée pour tourner cette prise ? Une journée pour tourner ça, oui. Enfin, il y a des petits trucs avant, après, mais là, on est en sinistre. Là, alors qu'à une époque, en une journée, Edouard pouvait tourner carrément une série entière. Hein. Ah oui, j'ai une belle carrière de... Je vois où on va arriver. Bon, il faut remettre ça dans un contexte. On sortait du cours de théâtre, on avait faim. À l'époque, la soupe était... Non, c'est des petites séries qu'on faisait en chaîne qui passaient très tard le soir, avec l'espoir qu'il n'y aurait plus personne devant la télé. Voilà. Et hélas, il restait des gens parfois. Voisin-voisine, j'ai pas eu la chance. Vous savez que Voisin-voisine, c'est une série... ça va plus lentement que dans la vraie vie. Parce qu'il fallait meubler. Alors quand il faisait une omelette, il disait « Ah, faisons une omelette. Ah, voilà un œuf, je vais le casser. Ah, bah il est cassé. Encore 20 minutes, bon. Un autre œuf. Bah oui, faisons une omelette à c'était deux œufs. » C'était terrible. Ça allait moins vite que dans la vie. Et là, terrible. C'est un peu le même genre. Ça s'appelait « Intrigue ou mes aventures ». Ah, papa, ça fait Non, c'est pas ça du tout. C'est long. C'est tribunal. C'est sympa de nous avoir balancé pour la prochaine fois. Alors, intrigue. Ah non, merde. Ou mes aventures. Non, mais ça a brûlé, ça a brûlé. Non, mais il en reste plus. Ça a brûlé. Non, nous, on va parler de tribunal, parce qu'il a joué dans tribunal, mesdames et messieurs. Bien. Hey, c'est un violeur. Avec vous savez, le monsieur, le comédien qui a les cheveux blancs et tout. Non, et... mais on jouait pas, on était vraiment convoqués tribunal. C'était déjà la télé-réalité. À l'époque, j'ai fait des conneries comme tout le monde. C'est en 89, vous avez à peine 23 ans, et vous jouez un homme battu par sa petite amie. Ça t'amuse? Ça fait marrer. Ça fait marrer, belle marre. Attends, ça te fait marrer? Arrête, hein. Regardez, c'est chacun son tour, j'ai envie de dire. Antoine et Léonore s'aiment d'un amour tumultueux. Ils ont pris l'habitude de régler leur querelle devant le tribunal. Aujourd'hui, c'est Léonore qui a blessé Antoine au visage à quelques centimètres de l'œil. Je me suis penché sur elle pour l'embrasser et sans raison apparente, elle m'a envoyé un coup de plume qui a failli me crever l'œil. C'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a signé. Sans raison apparente, c'est ce que t'as osé dire. Mais non, je t'en prie, hein. Tout le monde nous regarde. Tant mieux, t'es infect. Voulez-vous vous approcher, monsieur, s'il vous plaît? Vous avez porté plainte contre mademoiselle Delille, avec qui vous vivez depuis 3 ans. Qu'avez-vous à nous dire? Tout ceci est un peu ridicule, non? Merde. Top. La même veste et la même chemise. Ah oui, ah oui. La même veste et la même chemise. Il a coupé le calme parce que les dents... Honnêtement... Sérieusement, je vous réponds, il se passe un truc incroyable. C'est quoi les dents, là? C'est que ce n'est pas moi. Mais c'est quoi ces dents, Edouard? C'est du maquillage dentaire. C'est à base de maquillage dentaire. Même à l'époque, je travaillais avec Joey Starr. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Est-ce que pour vous tous, l'adolescence a été une période heureuse? Pas du tout. Moi, elle était en chanson, la mienne. Oh, super. C'est-à-dire? Non, mais par rapport au gospel. D'accord. Ramzy? Normal, pas de quoi faire la fête, normal. D'accord. Hélène? Pas du tout. Vous étiez comment physiquement quand vous étiez ado? Moche. Non. Écoute, on a vu des images, non? Non, j'étais moche. On a des images de la première fois où vous avez chanté. C'était pour votre spectacle de fin d'année en classe de 3e. Ah là 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 là. Non, je crois que vous étiez superbe, mais sûrement un petit peu timide. Sur un disque. Mais personne ne m'a aidé. Qui déraillait, c'est ça? Vous allez voir, c'est un... Et vous chantez L'amour en héritage. Oh mon Dieu. On dira un truc avec... On dira un caniche, non? Écoutez, heureusement qu'il y a les vêtements pour détourner l'attention. Vous aviez quoi, 13 ans, c'est ça? Oui. Vous aviez quoi? J'ai vous passiez un bac G. C'est marrant, on a l'impression qu'il... Regardez. Ma carrière est finie? Tout à l'heure.
c'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Hélène. C'est très bon. Bravo. J'apprécie tout particulièrement le maquillage des yeux. Combien de temps pour ce maquillage des yeux? J'avais fait ça moi-même. Ah ouais, ça se et voit. Alors cette petite frange frisée, Orlando m'a supplié de la refaire et je ne veux pas. Mais qui est cet Orlando dont vous parlez beaucoup? C'est son producteur. Ah, c'est ce superbe Égyptien qui vous produit. Et alors? Oui, ce grand garçon. Vous avez remarqué depuis gaillard. Le début de l'émission que nous ne nous contentons plus d'aller à Lina chercher des images. C'est fini, maintenant, chez Lina, des gens de votre famille qui commencent à balancer. Moi, j'ai même pas ce film. Il n'y a qu'une personne qui l'a, c'est mon directeur d'école à l'époque. Monsieur Cassiotolo. Le voilà. Non. Monsieur Cassiotolo, je vous embrasse. Non, mais les débuts, c'est toujours compliqué. C'est vrai, Patrick, il vous arrivait, vous, de faire des sketchs à la télévision. Non, aucun, ni rien. Et là... Rien, il n'entend pas toujours, t'entends pas. C'est fini, je n'entends pas, mais c'est ça que... Alors, on a retrouvé des images d'un de vos premiers sketchs diffusés sur France 3, Patrick. Ne cherchez pas à voir. Et on soupçonne les techniciens d'avoir coupé à l'antenne à un moment. Donc vous faites un sketch et ça coupe au meilleur moment. Je n'ai pas toujours eu énormément de succès. Oh. C'est pas vrai, parce que ce que vous dites est drôle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils ont coupé, alors? Le sketch. Le sketch, c'est on m'annonce et on me désannonce? En fait, c'est en 1986, vous faites un sketch sur France 3 et il y a une coupure de courant. Ah oui. Ah. Non, je n'en ai pas le souvenir. Vous allez voir. Non, mais j'assume, hein, complètement, mais je n'en ai pas le souvenir. On regarde. Avant d'entrer dans le du sujet, je vous propose tout de suite un extrait du spectacle d'un jeune comédien. Il s'appelle Patrick Timsit. Après la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie, après la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps, l'orage, Marcel, le cyclone, Marcel, il était... Oh les enfants, là, 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 là. Voilà, nous nous excusons pour cet arrêt de l'image qui est dû, je crois que nous avons disjoncté. Ce sont les risques du direct. Je ne sais pas. Je pense que vous allez revoir dans quelques instants Patrick Timsit. Nous nous excusons beaucoup pour cet arrêt momentané de l'image dû, je crois, au fait que nous avons disjoncté. Tout de suite, Patrick Timsit. Après la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps. On s'y fait. Ah, la galère. Patrick, j'ai souffert. Et on va continuer dans la série des scènes ratées au cinéma. Cette fois-ci, c'est Édouard. Ah. Et vous allez voir que vous avez du mal à aligner deux phrases sans éclater de rire. C'était dans le film Mensonge et Trahison. Et ce sont des images totalement inédites qui datent de 2004, regardez. Ça m'étonnerait que j'ai raté quelque chose. 119 sur 4, deuxième. Action. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'emmène en balade. En balade? Où ça? Surprise. Pff. 58 sur un cinquième. Donc voilà, on se rencontre et si on se trouve des points communs, eh ben c'est une occasion de se revoir. Et t'en rencontres combien à chaque fois? 7. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle du speed dating. C'est abominable. On est sur 5, deuxième. Action. Ça va, mon vieux? T'as trouvé facilement? Oui, oui, c'était bien indiqué, pas de problème. T'as trouvé facilement? Oui, t'inquiète pas, je te dis. T'as trouvé facilement? Il le possède réellement. Timing, oui, regardez le contre-champ aussi que j'avais. T'as trouvé facile, hein? Pardon.
T'as trouvé facile. T'as trouvé facilement. Oui, t'inquiète pas. C'était bien indiqué. T'as trouvé. Non. Magnifique. Ah, c'est superbe. Magnifique scène. C'est un acteur génial. C'est un acteur génial qui s'appelle Jean-Michel Lamy. Et c'est un des derniers plans qu'on ait tourné de Mensonges et Trahisons. Et la caméra aussi s'est mise à partir, en fait. D'habitude, les comédiens rient seuls, et puis l'équipe dit, bon, ça serait bien qu'on termine. Et là, tout à coup, on voit des plans où la caméra commence à trembler, tout le monde. Ça, c'est Jean-Michel. Non, mais ce qui est marrant, c'est quand on vous revoyait des fous rires, c'est comme si c'était hier. Hein, vous situez ouais. dans... Hélène, vous avez eu un fou rire culte, hein, c'est qu'il y a des mots que vous n'arrivez pas à prononcer. Ah oui, on a une image de vous. C'est pas Europe 2, la radio où travaillait Patrick, c'est leur voisin. Parce qu'il y a trois mots, RFM, TV, vous n'y arrivez pas. C'est pas facile, hein, faut... Oui, mais c'est dur. Des cinq lettres. Hein. Je suis trop petite. Alors, elle doit juste dire bonjour, c'est Hélène Ségara. Non, j'ai horreur des liners. J'ai du mal à les faire. Les liners, c'est quand on vous dit, bon, voilà, telle radio, il faut vous dire bonjour, c'est Hélène Ségara sur telle radio. Eh bien, ou je pars direct, je la fais en deux secondes, ou ça met la journée aussi. Voilà. Et là, ça a mis. Là, vous l'avez fait en deux secondes, là. Alors, est-ce qu'il y a des lettres que vous préférez par rapport à d'autres dans l'alphabet? Des chiffres et des lettres. Vous avez des chiffres, j'aime bien le Vous allez voir, c'est très, très sympathique pour Hélène qui a mis juste trois quarts d'heure pour dire juste une phrase. Méchant. Salaud, salaud. Bonjour, c'est Hélène Ségara, retrouvez-moi sur RFM TV. TV. Bonjour. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Attends, c'est affreux. Je trouve un gens qui t'aime. Bonjour. Bonjour. T'as le bonjour d'Hélène. Salut, le courrier. Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. 3, 4. Bonjour, c'est Hélène Ségara. Retrouvez-moi sur RFM TV. Bonjour, c'est... Salut. Bonjour, c'est Hélène Ségara. Retrouvez-moi sur MTV. C'est une extension. C'est pas grave. C'est la meilleure. Vous nous revenez avec un nouvel album qui est la compilation de... Pardon, je ne me rappelais plus. Ouf, j'étais petite encore. Oui, oh, bah, n'exagérez pas. C'est la compilation de tous vos grands succès. En 18 titres, dont 3 chansons inédites, comme « Je t'aimerais, ne me laisse jamais partir » et ailleurs comme... ici, hein, que je montre, c'est votre nouveau single. Et puis ce clip avec toutes ces belles chansons, tous les tubes d'Hélène, je crois que tout le public connaît les chansons d'Hélène. Hélène, est-ce qu'il y a Parlez-moi d'amour là-dedans? Oui, il y a tout. Tiens, Monsieur Belmar, oui, ah bah vendez volontiers à la caméra cet album pour les téléspectateurs. Montrez-le. Ah, excellent. Alors, voici donc l'ancien CD d'Hélène Ségara. Remarquez la sobriété de la décoration intérieure. On ne voit rien. C'est ce qui fait le chic de cette ouverture. Car lorsque vous serez entre amis et que vous ferez découvrir le CD d'Hélène, vous allez dire « Regarde comme c'est beau !»
Et là, les gens n'oseront pas vous dire le contraire, voyez. Donc, il y a un moment d'intimité qui se déclenchera entre vous et votre compagne. Quel est le prix de cet objet, Pierre? Eh bien, il vaut 595 francs. Et justement, dans le livret, il y a des très belles photos de vous, Hélène. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que quand j'ai monté cette émission avec mon équipe, j'ai fait un petit peu le point sur votre carrière, vos casseroles. Quelle émission? Cette émission aujourd'hui, en tout cas avec les quelques traîtres qui travaillent avec vous, nous avons cherché des casseroles pour toi. Alors... Ah, juste un retour de choses. Possible, hein. Plus tard, là, c'est la rubrique Internet. Non, 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 non. C'est quoi, moi, ce casserole? Moi, j'ai rien à me reprocher. Contrairement à tous nos invités. Bien. Comme nous sommes amis depuis longtemps, je voudrais dire qu'une année pour ton anniversaire, tu as voulu justement chanter un de mes succès. Waouh. Oui, alors, attendez. Si on se met à mettre de la vidéo privée amateur, alors là, c'est je suis désolée, nous avons les familles qui nous envoient des films, voilà, c'est tout. Je crois que je chantais du gospel. Maintenant, c'est plus des films officiels, c'est les familles qui balancent les... Ok, je propose qu'on regarde un peu de gospel avec Eric d'abord. Non, ça me fait plaisir, moi. Non, Eric, ça me dérange pas. Vous voulez pas voir l'anniversaire d'Arthur où il chante en duo avec moi? On veut voir, ça va être chouette. Moi, j'en suis sûre. Inviter des amis à une fête. Hein. Et vous savez, vive au Perlaël, ce duo de Bocelli. Bocelli n'ose plus la chanter. Voilà, c'est tout. C'est aujourd'hui l'anniversaire de quelqu'un de gentil. C'est aujourd'hui Noël, qu'à des surprises il doit s'attendre. Quand tu as une voix de velours et que les gens ici sont sourds, Arthur, veux-tu être mon troubadour? Yo soy l'Italio, lo resto. J'entends ta voix, tiens, c'est la pluie. Soy yo, sí, señor Meteo. Arturo, ton organe est pauvre. Ma gueule m'a pris du boulot. Attention, là, on va monter bien plus haut. J'ai pas répété, tu me rappelles Pavarotti. Yo soy mio que fuera Paris. Tu me rappelles Pavarotti. Eh bien, le temps de nous remettre de cette trahison et nous allons marquer une courte page de réclame. Et juste après, nous continuons cet enfant de la télé totalement déjanté. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue à vous si vous voulez nous rejoindre dans cette deuxième partie des enfants de la télé. Toujours en compagnie de Eric et Ramzy. Bonsoir. Bravo. Hélène Segarra. Bravo. Patrick Timsit. Bravo. Il est en forme, il a le sourire. Et là, Edouard je Baird. Edouard Baird, toujours le roi de l'impro. Le roi de l'impro. Pierre Belmar. La mère, il saurait vendre sa mère. Pierre Chériard. Enfin, je vous remercie d'accueillir la ravissante Sophia qui s'occupe de la rubrique Internet aux enfants de la télé. Et alors, je sais que, alors je sais pour Hélène parce qu'elle passe ses nuits à envoyer des mails et surtout des bêtises, des images qu'elle trouve. Est-ce que Patrick, vous êtes toujours aussi féru d'Internet? Ah, j'arrête pas. C'est vrai? J'arrête pas. J'ai beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de matos. Pas beaucoup de on peut en faire une spéciale, si vous voulez. Eh ben, on fera ça un jour. Un de ces quatre, mais vous, beaucoup, mais en direct. Équipé, vous êtes bien équipé? Beaucoup plus Minitel, moi, personnellement. D'accord. J'en ai un, je me connecte. On est une dizaine encore. J'ai un Bebop. Non, sérieux? Ramzy? Je suis à l'Igiaphone encore. D'accord. Édouard, vous êtes équipé? Moi, j'ai reçu un mail avant-hier, oui, ça va. C'était un type qui voulait l'adresse de quelqu'un, donc ça, j'ai la pêche. C'est fascinant, Internet. Hein. Je dirais que c'est un univers complètement parallèle. Je dirais que c'est le virtuel. Tu as lu mon livre là-dessus ou pas? J'en ai lu quatre. Sophia, si soir, vous y allez pas, on y arrivera jamais. Je sais pas, c'est quand vous voulez. Allez-y. Eh bien, écoutez, Sophia. On commence avec un loto polonais.
Et ce qu'il a de particulier, le loto en Pologne, c'est que ça part dans tous les sens. Les boules ne sont pas structurées, elles partent partout. Mais c'est la Pologne, moi je sais pas vous. Allons-y mais doucement, commençons doucement. Alors le loto, normalement c'est un jeu structuré, il y a des huissiers, on fait attention. Mais là, ça part un peu en sucette. Et teraz zapraszam na losowanie twojego szczęśliwego numerka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie 4. C'est gagné. Il y a de la déperdition. Putain, vache. Et là, on est en direct. Hein. Et on est plus de boule. Donc les boules sont parties. Elles sont parties, ils les ont pas retrouvées. C'est-à-dire que les boules sont tombées dans le trou, ils n'ont pas pu faire le tirage du loto. On va la revoir parce que c'est assez magique. Elles n'ont pas pris le bon conduit en fait. Moi j'ai une amie qui a gagné au loto polonais, je vous raconterai. Je vous raconterai. Ah, vous allez voir derrière, il y a un clapet qui s'est ouvert. Pourtant la machine est bien faite. Hein. Il y a le Belmar polonais, Belgovitch. C'est parti. Elles sortent toutes, elles coûtent le corps toutes sans exception. Voilà, elles sont toutes parties. C'est tiré. Une seule boule pour le tirage. Avec des millions de gens qui attendent des résultats. Autre chose. Oui, on continue avec une compilation de chutes parce que c'est drôle, on en reçoit tous les jours sur Internet. Je sais pas pour vous, Patrick, mais en tout cas. C'est drôle. Moi, j'ai vu une émission où les gens riaient sur les chutes. Et qui a été interrompue bêtement, comme ah ça, ouais. Où les gens riaient, insouciants de ce qui se passait dans le monde. Ah, oui, il bon. Le filme, vas-y, vas-y, vas-y. Vincent, mais né en 1970, il a toujours dit qu'il mourrait jeune d'une mort violente. Oh là là. Oh la vache. Oh là, non, là, il s'est fait mal. C'est atroce. Autre chose, Sophia. On continue avec des chiens et des chats. Je sais que certains ici aiment les animaux, notamment. Vous avez des animaux domestiques, oui, justement. Moi, j'ai mon Ramsay, moi, toujours avec moi. Hélène, vous avez quoi? J'ai des chats et un chien. Pierre Belmar, vous avez des animaux? Mickey, Ify et Bagheera. Trois chats. Ify, une valeur de combien? Édouard? J'ai plein d'animaux. D'accord. Pierre, je t'ai jamais demandé, tu as pas d'animaux? Ah si, j'ai des puces, j'ai des punaises, j'ai des blattes, tout ça dans le même appartement. Il est temps de faire les travaux. Ouais, alors, une petite séquence avec des chats et des chiens sur les publicités qui circulent sur Internet. L'important, pas si c'est de dire le mot trop mignon. Dès qu'il y a un petit animal, il faut dire trop mignon. Mais regardez, ceux-là, ils sont pas si mignons que ça, justement. Mais oui, trop mignon. Oui, c'est comme ça. Mes chiens, un bébé chien, chat, lapin, pardon. Regardons. There's a man who leads a life of danger. One he meets, he says a stranger. C'est horrible. Ha 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 ha
Provision. J'aime ça. Vous aimez ces images. C'est un gros client. Très gros client. Sophia ? C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Sophia. J'aimerais à présent m'adresser à l'homme au bonnet. Patrick, vous êtes venu ce soir avec un joli cadeau. C'est le double DVD de votre émission de radio, Radio Team Seat, que vous avez animé cette rentrée sur Europe 2. C'est la première fois que vous faisiez de la radio ? Ah ouais. Oui, oui, ça, c'était pendant un mois. Un mois, un mois, 25 une émissions, heure, en direct, écrit un peu comme un one-man show. Ouais, comme un show, ouais, en public et en direct, absolument. Et ça a été filmé. Et c'est un DVD qui est premier sur les DVD. Voyez-vous, c'est marqué ici. Et c'est aussi premier sur la volaille, premier sur les Monix. Il y a des applis, des sketchs, des stars, des révélations sur JFK. Et puis, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images. Voilà, ça donnera l'esprit. Très bien. Radio Team Site. Ouais. Premier sur les poules. Vous allez arriver au paradis. La première chose que vous faites, vous allez dîner avec Mère Teresa, David Douillet, Nicolas Hulot, l'abbé Pierre. T'arrives au paradis. Tu vas bouffer quoi au paradis? Des légumes, des légumes, des légumes et des légumes. La nana qui a passé sa vie en boîte à partout, vous allez où? En enfer ou au paradis? Bah au paradis. Méchant. Je suis méchant, ouais. Moi j'allais en enfer. Forcément. Wow. Alors, maintenant on peut en parler. L'intégrale de l'émission plus les bonus de DVD. Mais c'est pour ça, non mais c'est vrai qu'on nous a confié l'antenne, quoi. C'était le but du jeu, quoi. C'était Radio Team 6 parce que pendant un mois on avait voilà, le droit de nos limites, oui, ou alors on nous renvoyait, quoi. C'était un peu c'est l'esprit, bien, c'est quoi. Bien. La barbe, non, voilà pourquoi parce c'est que vous avez vu qu'il a de la barbe parce qu'il a joué dans Landru. Oui. Voilà. Alors et cette barbe préparait l'autre barbe qui préparait le rasage. Le mec qui a fait la nappe, c'est celui qui a fait ta chemise aussi pour le clip. Okay. Tout se recoupe. Voilà, bon, bah, sinon, est-ce que quelqu'un autour de cette table s'est déjà pris une gifle, un coup de poing? Est-ce que c'est des porc, trucs, oui. Un non. Coup de porc? Là, excuse-moi, je parle. Un coup de porc? Tu as pris je prends des coups de cochon. Non, non, dans les Dalton, je prends des coups tout le long du film et c'est Eric qui me les donne. Ah oui, je me suis régalé. Et je dois. Mais un plaisir. Ça, je dois encore ça, ça, je regrette d'avoir. C'était le rôle, Ramzy. C'était le rôle, ouais, le grand con qu'on prend. Là. Ah d'accord, mais c'était pas. Il n'y a pas de truc, hein, je voulais mettre. C'est-à-dire que nous, on préfère vraiment quand une gamelle, c'est une vraie gamelle et un coup, c'est un vrai coup. Ouais, ouais, ouais. Ça marche mieux. Bah, surtout quand on les donne, hein, Eric. Ah, non, j'avais oublié que pour en avoir une bonne, il faut en faire 10-15, quoi. Alors que moi, j'ai dit, d'accord, vas-y, c'est bon. Et en fait, on en prend 10-15 et des coups de pelle dans l'oreille. Ouais. Là, là, comment ça fait mal. Hein. Non, mais au cinéma, il vaut mieux les prendre que les donner. Alexandre Pelle. Ah, alors, c'est intéressant ce que dit. Coup de pelle. Bonsoir à tous. C'est intéressant, s'il vous plaît. En caoutchouc rigide. Excusez-nous, monsieur voudrait parler. Bonsoir à tous. Voilà. Qui êtes-vous? Bien sûr, d'abord, bonsoir à tous. Je vais lui faire des signaux. Je crois qu'il est plus intéressant pour un acteur de prendre des claques plutôt qu'en donner. On s'attire tout de suite la sympathie du public qui est avec vous. Je ne vous laisserai pas dire ça, monsieur. Tu n'as pas le droit, tu vas trop loin. On a retrouvé une image. Une image. Une image. Ah oui, c'est joli, une image. Alors, on a retrouvé une image où vous faites gifler dans une émission de télé et c'est un certain Rabal qui vous met une grosse baffe. Bon, est-ce qu'on me voit la rendre? Parce que je la rends. Ah oui, voilà. Alors racontez aux téléspectateurs. Je me rappelle. Alors on vous voit la rendre et expliquez-nous ce qui s'est passé. Non, on faisait une émission avec Ariel Wiesman qui est aujourd'hui en prison et on avait invité Rabal qui est un grand écrivain et qui a mis un metteur en scène et aussi qui a fait beaucoup de films, qui était un personnage très extravagant. Il avait bu du thé en coulisses, beaucoup, beaucoup de thé, mais ouais. Beaucoup de thé. Et c'est un petit taureau, il est un physique, il n'est pas très haut, mais il est très large. Tout ça pour dire que tu t'es battu contre un mec balèze. Oui, hein. C'est un peu ça. Je comprends. Moi, on ne me la fait pas. Donc il a giflé mon camarade Wiesman, qui est bien élevé, et puis ensuite je lui ai dit, ne me la donnez pas, parce que bon, bah, moi je viens de la tradition du kung-fu, la tradition du kung-fu français. Si vous me la donnez, je vous la rendrai, puis, et tout de suite les images suivent. Regardez. Je vais vous donner une gifle. Oui, mais pas non. Moi, j'en suis pas. Je vous gifle. Ah non, parce que vous giflez très fort. Non, mais je vous gifle trop fort. Je vous jure que je vous gifle gentiment. Donnez-moi un coup de poing, mais ne me giflez pas. Non, non, une gifle. Si vous me faites mal, je vous la rends. Allez, une petite. Non, ne me rendez pas, parce que... Ça va. C'était fort, mais ça va. Ça va? Oui. Ah, si vous en mettez une autre, je vous la rends. Merci. Merci, vous êtes digne de moi, monsieur. Non, mais je suis solidaire de mon ami Ariel Wiesman. Mais écoutez, moi, je suis un petit monsieur.
Et quand même, il me faut donner de quelques satisfactions dans la vie. On me donne la possibilité de donner. La possibilité de donner. Non, vous n'avez pas le droit. Ah, vous n'avez pas le droit. Ça n'était pas dans le code. Ça, c'était pas... Je suis désolé, mais celle-là n'était pas prévue. Vous en avez pris une aussi. Non, mais... Arabal est un type incroyable. Alors, il y a quand même... Il y a un truc délirant... C'est que Arabal, qui pendant 40 ans a écrit des pièces incroyables, s'est battu contre le franquisme, a fait des choses inouïes, qui avait fondé le mouvement Panique avec Topor et tout ça, la seule fois où on le voit à la télévision, c'est parce qu'il a donné une gifle. Donc il avait raison. Il s'est dit la seule façon de manipuler les médias et de passer à la télé, c'est de donner une gifle. La preuve, c'est qu'il repasse tout le temps, donc c'est bien joué. Et c'était important de le dire. Oui, et vous lui avez quand même remis la vache. Oui, mais ça, c'est anecdotique, mais de voir que ce mec a compris ce qu'on allait retenir de tout ça. 40 ans de travail et une gifle, et ben c'est la gifle qui passe. Ce qui est marrant, c'est que quand c'est tu mets la première baffe à Ariel Wiesman, au lieu d'aller le défendre, vous partez de l'autre côté, vous. Hein. Non, je vais voir mon avocat. Alors, il se demande, c'est drôle, oui, c'est dur de gifler Arabal. Edouard, mais vous êtes venu nous parler ce soir de votre nouveau film, dont vous avez signé le scénario, la réalisation, et dans lequel vous jouez, qui s'appelle À quoi bon, et qui sortira le 13 avril 2005, que j'ai eu la chance de voir avant sa sortie. Alors, je vais essayer de raconter l'histoire. Bon, c'est une comédie un peu déjantée. C'est l'univers d'Edouard Baird. C'est l'histoire de Nader, un petit escroc, qui est obligé de se rendre sur une minuscule île du sud pour tenter de débusquer Chris Barnes, qui est interprété magnifiquement par Jean Rochefort. Ouais. Et vous êtes un homme assez énigmatique qui a décidé de partir le jour de l'accouchement de sa femme. Oui, on se croise, on est avec Nader, on débarque dans cette île. Lui vient enlever Chris Barnes, donc Rochefort, pour le ramener à la mafia. Et puis moi, je viens rencontrer une fille en laissant à la maison 12 enfants et ma femme. Une fille que vous avez rencontrée par Internet. Ouais. Et si vous aimez l'univers d'Edouard Baird, cette folie, vous allez beaucoup vous abuser. C'est assez déjanté. C'est la première fois que vous réalisez. J'avais réalisé un film qui s'appelle La Bostella, qui avait été vu par 11 personnes et demie. À l'époque, et puis depuis, j'ai ça fait des progrès. Ça serait quoi, un demi? Un nain. Non. Non, monsieur. Un mec abonné. Non, monsieur. Quoi, un demi? Mais je suis en train de crever. On a oublié de citer Jeanne Moreau. Mais je plaisante. Jeanne Moreau. Bien, Jeanne Moreau. Je le dis. Et Georges Moustaki. Oui. Alors, je vous propose, s'il vous plaît, on est en train de parler du film de votre ami, pendant qu'on parlait du DVD de monsieur Tim Simpson. Il y avait un silence religieux. Je trouve ça vraiment. Je suis en train de crever. De quoi? Mais vous pleurez parce que vous êtes ému, parce que vient de dire Edouard. Reprenons. On va tous crever, mais avant d'avoir crevé, ta vie, elle aura été magnifique parce que t'es un petit môme de Paname, t'es un môme des rues. Toi, t'as grandi, t'as mangé du gruyère qui poussait par terre, je t'ai vu manger de la laitue à même le sol. Aujourd'hui, t'en es là, t'as un bonnet en cachemire de soie qui sent le saumon fumé, qui sent le caviar. C'est grâce à des petits mecs comme moi qui font ce film-là. À quoi bon? Allez le voir, non? À quoi bon? Allez voir ce film. Allez voir ce film, il est totalement déjanté. Avec des acteurs magnifiques et il sort le 13 avril. Regardons la bande-annonce. Voilà, regardons la bande-annonce. Écoutez, j'ai 30 secondes pour vous présenter une quinzaine de personnages extraordinaires. C'est qui? Chris Barnes, la vedette. 9 histoires de couple, un vrai chien, 3 doigts coupés. Monsieur, il y en a trop là! Une île paradisiaque, des mafieux de la mafia. Ça c'est bien, ça j'aime. 2 t-shirts de Moustaki, le chanteur, un spectacle grandiose. Je sens que ça va être formidable. Et inclus une des grandes questions de la vie. T'es marié? Dans quel sens, pardon? Dans le sens marié? Comment veux-tu que je sache? Alors, nous allons continuer avec cette très bonne idée de Patrick. Patrick m'a dit, je n'ai pas eu la chance de jouer à tous les jeux télé, j'aimerais réaliser mon rêve, et c'est ce que nous avec faisons des depuis bons le copains. Début. Et on va jouer au mot le plus long. Vous vous souvenez, il y avait les chiffres et les lettres. Ouais, et donc, ça va être le mot le plus long. Je vais demander à notre réalisateur Serge Calfon de nous envoyer un tirage. Des lettres vont apparaître à l'écran et vous allez devoir faire des mots comme dans le mot de plus long. Alors, allez-y. Ah, oui. Deux lettres, ce, c-e. Il y a le fameux encagé en 7 lettres. Oh, j'ai eu peur. Il y avait toujours des mots comme ça dans le chiffre et les lettres. C'était encagé. Un élugue. Encagé. Un élugue. Oui. Il y a autre chose d'ailleurs qui va bien. Oui, oui. E-N-C-U-L-E-S. Non, mais. Il y a le sgecanel qui est un petit appareil qui sert à s'asseoir dessus quand on est seul. C'est bien la langue. La langue, c'est bien. L-A-N-G-U-E. Encore 10 secondes. Les langues. Canule. Hein? Canigule. Ah oui, il fait chaud. Ah oui, on est en canigule. La canigule. On va commencer par Edouard. Qu'est-ce que vous avez? Alors, moi j'avais encagé, sinon j'ai canigule quand il fait très chaud.
Ah, quelle canigule. C'est une mini... Très bien. Alors, en même temps, je ne vais pas bien en ce moment, je suis en dépression. Pierre. Les langues. Can. Les langues. Langues. Oui, les langues. Deuxième Pierre. Can, C-A-N-E, c'est écrit, là, tu vois. Ah oui. C'est la femelle du canard. C'est la bien, canard. Hein. Très bien. Ramzi. C'est réaliste, c'est intéressant. J'avais pas canigule, j'avais cangule. Cani. Absolument. Non, lui, il a dit cangule, Edouard. Ouais, je me rappelle à l'époque, ouais. Qui ouais. Ne veut absolument rien dire. Moi, j'ai cangule, qui représente vraiment une partie... Qui représente les jeunes. Le 9-3, qui représente le 9-3. Qui représente le 9-3, le 9-1, le 7-8. Skateboard et Internet. Eric. La région de la Canelgue. Juste à côté la de... Canelgue. La Canelgue. La région de la Canelgue. Très beau, là-bas. Juste à côté de la Camargue. Il n'y a pas de chevaux, c'est des poneys, là-bas. C'est la... Non, sérieux. La Canelgue. C'est la Canelgue. Patrick. Alors, honnêtement, j'avais... E-N-C-U-L-E-S, mais je viens d'en trouver un meilleur qui est E-N-C-U-L-A-G-E-S. Eh oui, eh oui. Tout est bon. On va voir ce qu'il va dire. C-U-L-A-G-E-S. Moi j'ai mieux, moi. C'est dommage. Englué. Englué, pas mal. C'est dommage, Patrick. Ça ne me salit pas, regardez. Regardons les résultats du jeu. Regarde. Valérie Vandamme. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, mais des mouches exclusivement. Bien entendu. C'est dans le dictionnaire, hein. Et ça du mauvais plaisanterie. Du mauvais plaisanterie, j'ai trouvé en partant d'une mauvaise plaisanterie. Eh ben nous, on a préféré perdre, vous. Oui, on l'avait. Pas... que de trouver ce mot-là. Non, mais c'est pas ça, Patrick. On pouvait nous, on pouvait pas faire d'un vulgaire. Alors, attendez. Ce n'est pas vulgaire. Malgré ce mot, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse un autre tirage? Avec plaisir, on verra si on n'est pas bon, on si fera le grattage. Je ne joue pas, alors. C'est pas ça, Tim Sitt. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de boulot, je fais la rue, mais j'ai ma dignité pour moi. C'est tout. Regardons. Alors, concentrez-vous, s'il vous plaît, si les Français vous regardent. Ah. Est-ce qu'on sert du Y ou pas? Ah bah oui, si vous voulez, il compte 3 points. Non, parce que vous devez avoir un mot malin avec ça. Le mébutazir, qui est un médicament. C'est un médicament contre la diarrhée, je crois. Non, c'est le mébutazir. Le mébutazir 500. Tu prends 2 cuillères de mébutazir. C'est pas contre, c'est en faveur. C'est en faveur, c'est pour la diarrhée. Pour déclencher une diarrhée violente. Alors voilà, Pierre Belmar, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un produit que j'ai vendu. Ah oui. C'est assez rare. Le mébutazir. C'est B-U-T-A. M-I-R, le butamir. Je me rappelle, il y a eu un nombre de accidents. Qui se mélangeant à l'essence, permet d'économiser 5% de carburant. C'est pas vrai. Absolument. Tout inventé. Hein, là. Butamir. C'est fait avec du sang humain, je crois. Si on revient sur le... Il y en a un tout petit peu. Pas de trop. J'ai trouvé un mot, je vois juste si Pierre Belmar revient sur l'affaire du butamir. Il a eu à son équipe 15 ans de tôle, parce que je rappelle des voitures qui partent en marche arrière à la suite de carburant butamir. C'est dommage, monsieur Belmar, aujourd'hui vous avez... Notamment qu'elles avaient un régulateur de vitesse. Qu'est-ce que vous avez trouvé J'ai trouvé Pierre Belmar consternant là-dessus. Non, quoi. Comme non. Vous. J'ai pas eu le temps. Ramzi. Le Rizatubem. Ah, tu sais qu'ils n'en font plus. Ah, mais... ah, c'est pas vrai. Ah, bah alors laissez tomber le Rizatubem, personne comprendra, là. Eric. Moi, j'ai l'ancien français, la botte. Une botte. Ah, oui. À l'époque, on demandait, est-ce que dans le public, quelqu'un a mieux? C'est ça qu'il demandait. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un a mieux? Patrick, on n'a pas demandé ni à Hélène et Patrick. Hélène, vous avez dit quoi? Masturbir. Moi, j'ai 6. Brume au pluriel. Yes. On me l'a dit derrière. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, Patrick? Masturbir, il dit. Et moi, je dirais, en français, masturbeur, quoi. Regardons la bonne réponse. En gros, c'est masturbir. Masturbir, masturbeur. Et coum, ce cinéon. 7. Pas mieux. Mature. Mature d'un bateau, mais il y a un jeune garçon de Blois, c'est ça qui, Non, c'est Saint-Élif. Ah bon. Oui, je t'écoute. Alors... Lettre avec masturbé. Ah, ouais, il est content, là. Tout bonhomme. Ah, le petit malade. On trouve la fierté, le mec à la maison. Un sans faute de monsieur Tim Sitt. C'est clair. Et tout ça en partant de mauvaises plaisanteries. Exactement. Comme quand on arrive. Moi, j'ai une petite anecdote, si tu veux. Je me branlais, quai de... Et non, pardon. Ça me rappelle. Tu sais, c'est avec ma meilleure amie, Virginie, à l'époque. Ah, je travaillais avec Virginie. Très sympa. Et justement, je lui passe un petit bonjour. Donc bah, tu nous aussi. On était animatrices pour des personnes âgées. Et donc, on faisait un tirage de chiffres et de lettres pour des personnes âgées. Et c'était tôt le matin, donc moi, j'avais un petit peu de mal quand même. Donc déjà, j'avais pas mis le sablier, tout ça. Et puis, elle fait le tirage des lettres et c'était très, très mauvais, vraiment. Et donc, toutes les personnes âgées lui ont dit qu'elle était très mauvaise au tirage. Et j'ai rajouté qu'elle était très bonne au grattage. Et tout le monde m'a regardée et j'ai failli perdre ma place quand même. Voilà. Ah bon? Ah oui. Quelle jolie anecdote. C'est merveilleux, non?
on essaye. La raison d'essayer. Bon, c'est bon. Dans les chansons, dans l'album d'Hélène, il y a un livret avec des photos et plein de... C'est bourré de petites anecdotes de rien du tout, mais vraiment, hein, c'est, non, pas, mais c'est les important. Les drôles, les rigolotes. Remettre un peu de poésie, de fraîcheur, oh, vous êtes dans cette émission. Hélène, si vous me mettez avec des comiques, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Est-ce que vous gérez vos fans? Est-ce que vous prenez soin de vos fans? Oui, ils sont là derrière. C'est pas vrai? Bien vu. Super. Bien vu, ça. Je peux te dire les prénoms, les régions. Bien. Levez-vous, les fans d'Hélène Ségara. Tu veux que je te dise les prénoms? Et alors, merci. Mais ils sont... Il y en a quand même 2-3 qui ne se sont pas levés. Hein. Non, mais ils sont très, très fidèles. Là, il y en a qui viennent de Belgique. Il y a Liliane qui vient de Belgique. Il y a Magali qui vient du Sud. Ah, vous les connaissez tous? Oui, oui, ils me suivent partout. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous allez voir des images. C'est le groupe East 17 qui est invité dans l'émission Le Monde est à vous de Jacques Martin. Mais qui c'est East 17? C'est un groupe de hip-hop. De pop, musique. De un boys band très connu à l'époque. Et vous allez voir que le public est constitué essentiellement de fans et de jeunes gens de 12 ans qui vont avoir une espèce de poussée hormonale et vont se jeter sur la scène de Jacques Martin. Chose qu'on voit rarement. Ce qu'on voit rarement chez Jacques Martin. Ça, c'est bon, ça, c'est faut magnifique. Pas la passer, il faut rester là-dessus. Ah non, regardez ça, c'est magnifique. Ces jeunes filles sont très énervées. Il y a 2 ans, ils sont arrivés pour la première fois... Oh la vache, la même. Ils sont arrivés pour la première fois sur ce plateau. Depuis, ils ont vendu 300 000 disques dans notre pays. Voici le groupe East 17. Oh la vache! Oh la 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 la! Oh la vache. C'est génial. Voilà. C'est génial. Je vais vous demander de regagner vos places parce que en montant sur le plateau, eh ben les autres n'ont pas vu, alors. Si on a rarement vu une ambiance comme ça sur le plateau de Jacques Martin. Hein. C'est pour très Jacques rare, Martin, c'est vrai. Oui, alors, Pierre Tchernia, vous avez une belle image pour Pierre Belmar. Une image, c'est une parodie oui, de Pierre Belmar dans Un siphon fond. Oui, c'est une parodie. Attends, je cherche. Chez Jacques Martin. 1994. C'est la dernière année où j'ai fait le téléachat. En fait, ils vendent un joint. Un joint, vous savez, oui. C'est fait avec des herbes. Oui. Francis Blanche disait d'ailleurs, ça peut faire de mal à personne, c'est rien que des plantes. C'est avec Virginie, non? Oui, c'est ça. Avec Virginie Jacques Martin, Virginie Lemoine, ainsi fond. On rend hommage à la fois à votre carrière, à Jacques Martin qu'on salue et aux Têtes de l'Empire qui a cramé quand même. Hein. Parce que là où on a vu les East 17, c'était dans un théâtre qui est parti un peu en fumée. Regarde. Je crois que c'est un coup des Russes. Ceci est une espèce de cigarette plus grosse, vous le voyez, et fermée au debout. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe. Oui, Marie. Alors, Pierre, si je vous suis bien, ces espèces de cigarettes ne seraient pas du tout nocives. Absolument pas, Marie. Et d'ailleurs, eh bien, nous allons le prouver à nos téléspectateurs. Vous allez en allumer une. Mais je ne fume pas, Pierre. Mais ce n'est pas du tabac.
Ah oui, oui. Alors, est-ce du tabac? Non. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous avez un goût de tabac dans la bouche? Non. Non, vous allez me demander, Maryse, à quoi ça sert Pierre? À quoi eh bien, ça sert, Pierre? Très bonne question, Maryse. Et je vous répondrai en vous disant que ça sert à supporter les tracas de la vie, les saloperies de l'existence, à subir, en somme, le quotidien sans éprouver le stress qui l'accompagne. Et je me tourne vers vous, Maryse, et je dis, comment trouvez-vous cette herbe? Eh bien, elle la trouve... Bonne. Elle la trouve... Vous allez me demander, Maryse... Vous allez me demander, mais où la vend-on? Où la vend-on? Voilà, où la... Eh bien, Maryse, on la trouve habituellement aux alentours des grandes surfaces, près des écoles, des lycées, dans les banlieues. C'est une herbe très, très, très bonne. Voilà, vous pouvez la fumer. Il s'agit d'une promo exceptionnelle, Maryse. Une promo exceptionnelle. Écoutez bien. Alors, pour rouler la cigarette, la rouleuse indispensable. Et bien voilà, c'est sur ces images que je vous invite à marquer une courte page de pub. On se retrouve juste après avec encore plus de déconnes. Allez, à tout de suite. Pour gagner un chèque de 3000 euros, répondez dès maintenant à la question suivante. Dans quelle comédie musicale Hélène Ségara a-t-elle joué? 1. Roméo et Juliette. 2. Les 10 commandements. Ou 3. Notre-Dame de Paris. Jouez en téléphonant au 3680 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6-13-13. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre dans cette troisième partie des Enfants de la Télé, toujours en compagnie de nos invités très très en forme. Et nous allons accueillir une personnalité qui nous manquait autour de cette table, puisque tout le monde est un peu déjanté. C'est un chanteur, un poète, un rappeur désormais, et un philosophe, puisque je vous demande de faire un triomphe pour Monsieur Francis Lalanne. Ah oui. Ah, il a plus de cheveux. Il nous surprendra toujours. Ma mère m'a dit, Antoine, je vais pas couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer. Dis pas que je trouve ça. J'ai coupé les cheveux. Voilà, pour vous faire plaisir. Oh bien. J'ai eu une phrase malheureuse dans un journal People, on n'a pas le droit de citer le journal, et j'ai dit, voilà, j'en avais tellement marre qu'on me parle de mes cheveux en permanence, et j'ai dit, bon, pour qu'on m'en parle plus, j'ai dit, bon, je vais les couper les cheveux. Et alors... Depuis que j'ai dit je vais couper les cheveux pour qu'on m'en parle plus, on me parle que de ça. Ah. Alors je me suis dit. Hélène a dit que vous avez mis une perruque. Ben oui, il a une perruque. Ben non, mais j'ai si. Pas mis une perruque. Alors Hélène, chère Hélène. Paris, beaucoup d'argent, un dîner, un dîner. Chère Hélène. Quand on met une perruque, c'est pour se rajouter des cheveux, c'est pas pour s'en enlever. Non, mais vous n'avez pas coupé tous vos cheveux. Edouard, regardez. Les cheveux sont rangés sous ta perruque parce que ça se voit, tes cheveux brillent. Et on voit que c'est des cheveux... Attendez, c'est un spécialiste du cheveu synthétique. C'est des perruques que j'ai vendues à 400 balles, ça. Alors qu'à la fin, il faut qu'on plus jette ça. J'ai eu des retours. De toute façon, il n'y a pas de perruque. Voilà. Soyez, il faut être précis. Quand on parle de l'univers du complément capillaire, alors est-ce qu'on parle de postiche? Voilà. Est-ce qu'on parle de toupet? Est-ce qu'on parle de perruque ou est-ce qu'on parle de chapeau? Il y a les bottines qui sont pas là. Est-ce qu'il a les bottes? Les bottes. Il n'a pas les bottes non plus. C'est rasé les bottes. Et je n'ai pas la barbe. Mais j'ai une guitare par contre et je peux prouver que. On va faire un sondage. Qui c'est qui vote pour Francis? Qui pense que c'est vraiment le vrai Francis là? Perruque, non. Ah, pas des masses, hein. Ça ne serait pas Jean-Claude Lalanne. Vous... Ça vous vieillit un peu.
Vous pensez que c'est un sosie? Qui pense que Chirac a été remplacé par un sosie par des martiens arrivés de Vénus avec un sérieux? C'est vrai, c'est ce que je pense. Bah, attendez, attendez, je vous jure, c'est le vrai. C'est Francis, oui, oui. Tu es méconnaissable, Francis. Moi, j'ai posé une question. Vas-y. Quelle est ta première télé? Ma première une télé... Pionnière. Ah, on va voir. Une Sony. Une Sony. Alors, la réponse? Je me rappelle plus. Non, on va te croire, on va te croire. Il y en a deux qui sont. Eh, deux secondes, il était gaucher, non, non, Francis Lalanne. On le croit, allez, on le croit. Tu chantes pas, on le croit. Il y a deux. Allez, non, non, on le croit. Non, c'est bon, c'est le vrai, c'est le vrai. Non, non, c'est le vrai. C'est une télé. C'est une télé où j'ai chanté cette chanson. Non, 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 non. Une télé, c'était pas en français. C'était pas en français? Si, je crois que c'était avec Michel Drucker. C'était une loto polonaise. Non. Vous m'avez connu avec les cheveux longs, les bottes, épousant mes cuisses. Et puis voilà que pour de bon, je reviens au his, au his. J'arrive à la télévision, à l'émission de la grande saucisse. Mes cheveux ne sont plus longs, je les ai mis en ordonnée, en abscisse. Je m'appelle le Francis. Bravo. Alors, je sais pas, écoute, tu vas me le dire. Magnifique. Tu vas me dire quelle est ma première émission de télé? Ouais. Eh bien, ce sera aussi la dernière. Bien, quelle était ma première... votre première émission de télé, vous donniez des cours d'anglais. Ah non, tu vas... Oh là là. Mais là, j'avais quoi? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'avais les cheveux courts, un petit duvet, là, qui est... Et en fait, c'était pas une télévision, c'était un... On avait tourné ça pour la BBC. Crotonné, Mundo Dingo. Voilà la preuve que c'est le vrai Francis Lalanne, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Nous avons retrouvé Francis jeune avec la même tête, avec un petit peu de duvet. Oui, 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 oui. Regardons si c'est ça. Il y a un personnage louche dans le quartier. Hein? Où? Devant toi, idiot. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est dangereux. Police. Secrète. C'est un enquêteur. Oui, un faux enquêteur. Ah, c'est un vrai policier. Oui. Alors, c'est un vrai enquêteur? Ah non, ah oui, ah je ne sais plus. C'est dangereux, c'est très dangereux. Oh. C'est le vrai aussi, hein. Et tu me l'avais... Genre, attention, parce que mieux maintenant. Francis, il a progressé, Francis, grave. Hein. C'est étonnant parce que depuis que vous êtes coupé les cheveux, c'est comme un logo que vous avez enlevé. Les gens ont du mal à. Non, mais c'est ici, pas coupé les cheveux. Les gens ne croient pas que. Vous avez mis une perruque là. Mais non. Mais non, mais non. Non, si, sérieux, c'est en boule ici, c'est sous la perruque. Non, c'est que tu sais, quand on coupe, les, quand on coupe les cheveux, il oui, tu lâche du volume. Mais oui, Pierre, il ne lâche pas sur la perruque. Si vous êtes chez vous, un shampoing pour brillant du côté. Non, les cheveux sont brillants naturellement. Oui, tu parles. Alors, Patrick, vous m'avez dit, ça serait sympa si nous chantait un petit truc. Ce qui serait sympa, c'est qu'il nous chante quelque chose, moi, je disais. Ah, merci. Avec alors, laquelle vous ferait plaisir? Reste avec moi. Oui, mais on va rester avec vous. vous nous ferez des petites ponctuations. D'accord, avec plaisir. Vous nous ferez des petits jingles, car d'accord. Patrick Timsit a souhaité que l'on joue ce soir dans cette émission. Jingle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? C'est le jeu de Patrick Timsit. Alors, bravo. Qui est dans la place? Alors, on va vous montrer des images. C'est n'importe quoi cette émission. Et on va arrêter l'image et je vais vous dire ça que être va-t-il quoi se passer. Vous avez l'air d'être de... C'était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Il y avait, devait... Il y avait non, plus prévu que ça ou pas? Il y avait plein de trucs prévus. Là, mais je suis en. Bien, je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'était très très bien. Alors, c'était oui, comme d'habitude. C'est une, c'est une image. Il s'agit de. Aidez là-bas l'atelier dessin là-bas. Non, mais tout à l'heure. Tu es en train de dessiner Francis Lalanne. Oh leur merde! Montrez vos dessins! Pierre Tchernia! Faites voir les dessins! Bien ce que tu fais! Moi j'ai relooké Ramzi, Eric! Regarde, il est là! Eric, à cause de toi, au cours de Lalanne, il y a des jeunes qui vont dessiner parce qu'ils font tous comme toi! Aujourd'hui, il y a un jeune dans le lycée, il a cours de Lalanne, il va faire comme toi! Ouais, bah écoute, c'est mieux, c'est. C'est Ludic! Patrick, regardez cette image, nous allons l'arrêter et je vais vous dire. Que va-t-il se passer? Ah, j'adore. Je sais tout. Regarde. Ah, j'adore ce jeu. J'adore. C'est mon jeu j'adore préféré. Ce c'est jeu. Ma passion, ce jeu. Il tourne. Voilà, il y a un connard, notre
applaudissements. Que va-t-il se passer? Il va refaire son petit geste non, comme ça. Non, la fille, va glisser du coude. Je crois que le micro lui échappe, ça fait tomber les coupes de champagne qui se renversent sur un fil qui est... Qui lui coupe les mains. Un projecteur qui explose. Et qui tombe sur la tête de la jeune femme. Ses cheveux prennent feu. Très bien. Eric? Non, moi, je pense vraiment que son coude va glisser, et la blonde, et elle va se taper la tête contre le... Oui, la mâchoire. D'accord. Ouais, comme ça. Pierre? Je pense qu'il y a une chute. Je me demande si c'est seulement la jeune femme. Peut-être que ce sont les deux qui s'écroulent derrière cette sorte de buffet sur lequel ils ont appuyé. Well, Pierre, ça se tient. Eh bien, ce décor est un décor qui a été construit dans la gare de Lyon pour faire une conférence sur le plaisir du voyage à notre époque. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une locomotive houle-pied qu'on ne peut pas arrêter, qui dans un instant va plaf. C'est la meilleure explication, il a raison. Pierre, ça va arriver en gamant par là. Pierre, si toi aussi tu te mets à péter les plombs, Hélène, vous avez l'idée? Elle est très bien, Pierre. Eh bien, figurez-vous qu'autour de cette table, il n'y en a aucun qui a la bonne réponse. Regardez. Voilà, il y a un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Christine qui a bien défendu et qui a fait triomphe. Oh là là, assez horrible. On peut pas penser à ça. Ah ben, il a perdu une dent. Les mots dentaires, ça. Ah, c'est horrible. On en essaye un autre. Vous en avez un jingle, jingle. Ah oui, mais moche. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il y a qu'une dent. Il y a qu'une dent. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il y a qu'une dent. La mâchoire à Jean. Voilà. Alors, regardez cette image. I must admit, it won't be a great time to go away. I feel as if I should be here for. I knew it. You don't want to get married because you'd rather stay here and not. Que va-t-il se passer? Ah, je sais. Moi, je pense, ouais, aussi, ouais. Eric, le chef déco, très très énervé, le chef de la décoration de ce truc, le chef décorateur, va rentrer et insulter cette femme. On lui dit espèce de connasse, on avait dit pas le décor. un truc comme ça. Je pense que c'est d'accord. Ça. D'accord, Pierre. Eh bien, vous avez vu qu'il y a une rangée de boîtes de conserve qui sont derrière le monsieur. La totalité des boîtes de conserve va tomber en avant sur le monsieur. Voilà. Pierre Biss? Non, on va entendre le metteur en scène qui dit couper, on en refait une autre. D'accord. Eh bien, une fois de plus... Ah, Hélène, pardon. Ben alors... Hélène? Ben alors, Hélène. Vous voulez les femmes de l'émission, c'est ça? Non, mais vous... Ne te vexe pas, ma chérie. Ah oui, il y a les fans. Ah ben ça, il y a le fan club. Il y a le fan club, là, évidemment. Bon, j'ai dit que moi, elle va balancer un truc, mais qu'il va s'ouvrir ou un truc comme ça, voilà. Regardons. Bravo, Hélène. Ah oui. Bravo. Et c'est déjà battu avec son mari, elle a déjà reçu de la sauce tomate sur la tête. Bravo. Et maintenant, nous allons accueillir Mélanie qui s'occupe des publicités. Jingle. Mélanie, tu es si jolie, tu es si jolie. On vous écoute, Mélanie. Et on va commencer avec Patrick Timsit, qui a un nombre de pubs incroyable au compteur. Parce que t'as un bonnet. Non, parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup de publicité. C'était pour vivre. Si. Non. Enfin, en tout cas, quelques-unes. On a opté pour... Oui, j'ai déjà gagné une centaine de pubs, là. Ouais. On a opté pour trois. Alors, trois pubs. La première, vous allez remarquer le pantalon un petit peu ambiance faux au plancher et taille très haute. Une deuxième qui est très sympathique. Et la troisième, au gros casting, avec notamment quelqu'un qui ne vous est pas inconnu, Arthur. Ah. On regarde. Moi, j'aime qu'on m'obéisse et qu'on exécute mes ordres. Coucher, ex ! Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit chez... Que c'était encore plus simple si je me servais moi-même. À moi ! Debout, ex ! Bon, j'ai pris un canapé, une bibliothèque, un lit. Et j'ai dit, tout ça monté en place, nickel chez moi. Coucher, ex ! Eh bien, ils m'ont dit, gentiment... que si je montais mes meubles moi-même, ça descendait leur prix. Couché, Rex, debout, assis, couché, couché, Rex, attaque. Non, quand on dirait, Rex. Allons, Bibi, c'est déjà fini. T'énerve pas, c'est mauvais pour ton cœur. Tu viens, Rex?
c'est que ça sent bon, cette jolie chose. Le parfum, là. C'est cascade intemporelle, non? Ou alors c'est Alizée d'Hélène Razou. Musqué, prenant. Ou alors c'est Nonon, l'allié de la femme insaisissable. Je sens que je brûle. Ça y est, je sais, je l'ai sur le bout de la langue. Et maintenant, tu l'as sur le bout de nez. Parfum, 130 francs, et puis c'est tout. Dites-moi, c'est quoi votre parfum? Totalement pas. En décrassant son corps, on nettoie la fatigue. Monica Bellucci. Pas de crise de jalousie, hein, c'était du... pas de crise de jalousie, là, attention. Alors là, quand même, vous voyez, avec ce décalage de prendre trois top modèles et trois comiques. Il y avait Tom Novembre, Légitimus et moi, et puis il y avait Estelle, Monica Bellucci, et une jeune femme américaine qui est une actrice qui a joué dans James Bond. Voilà, donc, voilà un petit casting. Ça s'est bien passé, le tournage ? Excellent, excellent. Ouais. Trois belles journées dans la vie d'un homme qui compte. Et vous avez dormi sur place ou chacun rentrait chez soi ? Sur place, on était là, on était très bien. Il y a un club échangiste, hein, c'est très, très connu. C'est élégant. Qu'est-ce que c'est que cette mais histoire ? Mestière a vendu des accessoires. Mélanie. Oui. Continuons. Alors, on va rester dans l'univers des stars. Ah, mais... Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Non, c'est moi, je m'excuse. Il n'y a pas de mal. Comment nous alors ? Allez, hop, on règle ça. J'adore ça, c'est super. Allez, j'ai pas profité, j'ai pas profité. Tu ne m'en veux pas. Allez, top Mélanie. On va rester dans l'univers des stars, mais cette fois, avec leur tout début, vous allez voir, je préfère vous prévenir, Juliette Binoche, mais ambiance hamster, elle est quasiment méconnaissable. C'est sympa de dire ça. Non, mais c'est pour qu'on la reconnaisse, je trouve. Ah bah, c'est joli. Après ça, on la recevra jamais. Hein. C'est bien, ambiance hamster, belle soirée. J'adore cette émission, en plus. Une bien belle soirée. Et enfin, une Brigitte Bardot sexy en diable et un Daniel Auteuil qui, alors là, en l'occurrence, était à peine sorti de sa période prépubère. Très bien, ça fait trois invités en moins pour l'année prochaine. On regarde. Je vais en faire pour le moment. Moi ? Je vais vous apprendre. Prenez un chamallow entre le pouce et l'index, un souplette. Vous le posez délicatement sur la langue. Et là, détendez-vous. Relax. Salut Jeannot. Salut. Ça va? Ça va. Dis, pourquoi t'as trois torchettes de couleurs différentes? Parce qu'il y a trois sortes de nanas. T'as pigé? Non, mais c'est pourquoi faire le bleu? Pose pas de questions idiotes, s'il te plaît. Ça, c'est nautique. C'est pour les romantiques. Et le vert, c'est pourquoi? C'est pour les brunes. C'est citrus, mon vieux. Ouais. Comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu crois? Bah écoute. Et alors le jaune? Le jaune, c'est Caraïbes. C'est l'exotisme, les palmiers, le sable chaud. Les merguez. Les merguez. Ah, tu me fais marrer, tiens. Dis, Jeannot, je peux essayer le Caraïbe. Amuse-toi, petit Louis. Oh ! Autre chose. Mélanie. Autre chose, oui. On va rester cette fois dans la publicité avec les stars de la publicité, les toutous, les chachas, vous en parliez tout à l'heure. Les quoi? Les toutous, les chats. Les mots domestiques. Les chachas, ça va. Les chachas. C'est trop mignon. C'est très mignon. Avec les petits chats, juste avant de regarder, je vous rassure, tous ces petits animaux, toutes ces petites bêtes à poils sont sortis indemnes. Non, c'est faux. Alors là, j'ai les chiffres. Deux animaux sont morts. Oh là, c'est tellement émouvant, j'ai envie de demander à un Français une virgule. Oh là, dans quel bar? Non, je plaisante, Francis. Thank you.
Eichhof. Das ist mein Bier. Mist. Lassen Sie Ihre Kunden wissen, was Sie bei Ihnen bekommen. Mélanie, autre chose? Encore? Allez, encore! Allez, encore! Et pour terminer, vous savez, la lutte contre le tabac fait rage en ce moment et on a déniché deux publicités espagnoles qui ont quand même réussi la prouesse de traiter ce sujet un petit peu délicat avec humour, mais c'est absolument pas classe. Je préfère vous prévenir. Perdón. ¿Te molesta? Sabes, he estado pensando y creo que podríamos buscar una forma. ¿Te molesta? Si no piensas en los demás, no esperes lo mismo. Vous nous aviez prévenu, hein? Oui, non, faut pas vous en vouloir. C'est tout pour ce soir. Merci Mélanie. Restez deux secondes avec nous, je voudrais qu'on parle du spectacle d'Éric et Ramzy. Éric Kéramzy, après trois semaines complètes sur la scène de l'Olympia, vous avez triomphé. Vous êtes parti en tournée dans toute la France depuis maintenant le 2 février 2005. Bon. Et l'on vous retrouve à Paris pour des prolongations à l'Olympia du 27 mai au 5 juin 2005. C'est le bonheur. C'est très impressionnant. C'est une belle année. Ouais, c'est une magnifique année. On revient sur scène. On a fait notre premier spectacle. C'était très enfantin. Et là, maintenant, on fait tout ce qu'on n'a pas fait dans nos films. Alors, on peut tout. Citer Michel Hazanavicius qui vous a donné un coup de main pour la mise en scène. Ouais, vous pouvez le citer, voilà. Mais c'est pas lui qui est sur scène. D'accord. Et vous pouvez dire deux, trois mots. Est-ce qu'il y a des nouveaux personnages? Tout est nouveau. Tout est absolument y a rien. Nouveau. Ouais, il y a un personnage qui est. Akra et Couscous ne sont pas là. Non, il y a Dutilleul qui passe la douane. Un personnage qu'on faisait avant. D'accord. Et sinon, le chat est décédé, tous les anciens trucs sont morts. D'accord. Là, maintenant, c'est plus adulte, quoi. C'est plus... on est avec des vestes. J'ai envie de dire, quoi. C'est le spectacle de la maturité. Même pas en plus, non, parce que vraiment, on se baise sur scène, hein, disons la vérité. Voilà, on fait l'amour sur scène. C'est vraiment la fusion, Éric et Ramzy. Ouais. On fait plus qu'un, cette fois. Mais les gens aiment bien. Ah bah oui, bah, c'est le succès de l'année. Donc, dépêchez-vous d'aller les voir. C'est à l'Olympia du 27 mai au 5 juin. Et en tournée. Et puis en tournée dans toute la France. Merci. Et les dates apparaissent... sur votre écran, une très belle tournée. Merci, merci. Thank you à vous. Je prends ça. Bravo, vous avez demandé, j'avais demandé en premier. Vous m'écoutez dans la voiture. Alors, c'est grave, c'est... Avant de se séparer de certains de nos invités, je voudrais vous montrer un beau cadeau. C'est le Sphinx, un jeu que les gens ont oublié, avec Yves Régnier qui fait une terrible épreuve. Il fait une course sur un mulet. Et vous allez voir, c'est pas gagné. Vous prenez lequel, Jean-Pierre, le noir? M'en fous, le premier, ouais, prenez le deuxième. Le blanc? Ouais. Ok. Bon, ben, ma foi, on est parti, hein? Hein? Le puits 312, il faut trouver quelqu'un, là. Et on se retrouve au puits 312, hein? Attendez, Jean-Pierre. Un séjour, hein? Mais Jean-Pierre! Ah, faut se dépêcher, mon ami! Voilà, c'est bon. Ouais. Allez! Il y va droit, il y va droit! Allez, Jean-Pierre! Il y a personne. Hello. S'il vous plaît. Oh, le cirque. 6 minutes 10. Faut trouver de l'eau. Faut trouver de l'eau. Et il y a des outils là, non? Hein? Ah, vous avez pris le bon là, hein? Vous avez pris le bon âne. Il y a des gens là-bas, viens voir les gens. Oh, ils sont. C'est bien. On n'a pas fini. Bref. On est là. C'est quoi, Pierre? Pareil. Viens,
peux trouver de l'eau. Hein? De l'eau, oui. Voilà. Oh, attention, attention. Ah, c'est une horreur. Oui, attention. Allez, non. Il est méchant, hein. Il est méchant, le gris, hein. Attends, non. Alors, on devrait faire des jeux plus souvent comme ça, à base de mulets. Patrick Timsit va nous quitter. Je vous rappelle qu'il y a Radio Timsit. Il est décédé. Le DVD. On va tout arrêter. Et il va nous quitter. Magnifique DVD de son aventure radiophonique avec ses camarades de jeu. Il y a Alexandre Pell qui est au théâtre, d'ailleurs. Alexandre Pell, Jean-François Alain. Muriel Barrel. Et c'est une aventure rigolote. Merci Patrick d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, allez. Qu'est-ce que je dois prendre? Juste avant de partir, un petit cadeau, c'est votre copain José Garcia et Benoît Poulvorde sur le tournage du Boulet. Regardez, c'est assez rigolo. Ah oui, je pense que ça vous fera plaisir. Ah oui, avec bonheur. 1913, la guerre bat son plein. Les poilus sur le front marocain sont harassés. Édouard Pelletier, Stéphane Robert et Robert Malandier ont décidé d'animer les troupes à leur façon et de leur redonner un coup de butoir. On écoute Robert Malandier dans « Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses !»« Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses, elle est super belle et tendue. Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses, elle est énorme, elle est dodue. Ta-la-la-la-la, que j'aime la caresser. Ta-la-la-la-la, que j'aime la toucher. Merci Patrick. C'est un beau cadeau. Un beau petit cadeau. Rentrez bien. À très vite. Voilà, je vous propose de marquer une dernière page de pub pour accompagner Patrick Timsit et on se retrouve juste ensuite avec encore plein de surprises. Bonsoir à vous, j'espère que vous passez une agréable soirée en nous regardant. J'espère que vous prenez autant de plaisir à assister à cette émission chez vous que nous en avons ici avec le public et nos invités. C'est la dernière partie des Enfants de la télé. On a des images très mignonnes tout de suite de Hélène Ségara. Vous avez chanté au Resto du Cœur. Et juste eu un souci avant de rentrer sur scène, votre robe est restée coincée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a longtemps, hein. On m'attendait pour un trio, sauf que j'ai pas pu rentrer au moment de chanter. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et ma robe était coincée. Regardez ça, c'est magnifique. D'un coup, il y a 15 personnes qui viennent et qui se jettent sur elle pour essayer. Tout le monde s'improvise couturier, regardez. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Que les choses ont changé. Oh la galère. C'est imparable. Magnifiquement imparable. Je peux le vendre? Non, bah si vous voulez. Il c'est a vendu le mon nouveau album. Livre de Pierre Bellemare. Ils ont osé 40 exploits incroyables chez Albin Michel. Alors à chaque fois que vous faites un livre, ça se vend très peu. La dernière fois c'était juste 100 000 exemplaires. Oui. On était déçus avec Eric Rabs. On s'est dit, oh, 100 000. Tiens, c'est bizarre, il est où le million? 100 000, oui, c'est oui, tout. Hein. Oui, bah, best-seller l'année dernière et cette fois-ci ils ont osé. Ce sont des gens connus ou parfois anonymes qui ont osé des exploits fait, qui ont parfois souvent changé le cours de l'histoire. Oui, parfois d'une simple vie, comme la, exactement. Comme la mienne par exemple. Alors racontez-nous. Bah, tout simplement, j'étais sur mon bateau. En face des côtes italiennes, si, je me souviens, de côtes assez escarpées, je dois le dire, à cet endroit-là. J'y étais, là. Et, c'est une plage naturiste. Et il y avait beaucoup de vent qui nous rabattait sur la côte lorsque un câble qui flottait entre deux eaux s'est pris dans les hélices et a bloqué complètement le moteur. Ouais. Donc, impossible d'avancer. Je suis donc une épave non. qui dérive vers la côte.
Et si personne ne me voit, eh bien, je vais me fracasser sur la côte. Et il n'y aura plus de Belmar dans quelques minutes. 5 minutes à peu près. On a 5 minutes devant nous. Et heureusement, il y a un pêcheur qui est avec son bateau, qui nous voit. Il a son copain avec lui. Ils sont donc deux à bord du bateau. C'est un petit bateau de pêche avec un petit moteur. C'est pas énorme. Bon. Et ils viennent, ils voient la situation, ils viennent, ils s'approchent. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent, évidemment, nous, on s'approche aussi de la côte. Donc tout ça se passe de plus en plus près de la côte. Arrêtez, et au moment Pierre, où ils me lancent le bout pour me remorquer, en quelque sorte, pour me prendre coupure en manche. Que va-t-il se passer? Ben oui, putain. Pierre. Hey. Vous voulez vraiment une coupure pub? Ah non. Eh bien, tout simplement, j'ai réussi à prendre assez rapidement la mare, ce qui n'est pas facile dans ces conditions-là, la caler sur un taquet, et à ce moment-là, j'ai senti le petit moteur de la barque qui orientait mieux mon étrave et qui la reprenait vers le large, et ils nous ont sauvés à quelques centaines de mètres. Ce sont ces petits actes héroïques de tous les jours qui changent le destin des gens et donc le vent. Ils l'ont fait pour moi sans me connaître, véridique. Comme ça, voilà. C'est vrai, véridique, vraie histoire. Alors... Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Rien. J'étais fasciné. Pas de violence, que de l'amour. Mais dès que Pierre parle, c'est... Bah oui, j'adore. J'ai bien senti. J'adorais vous acheter, vous mettre mais chez moi. Mais c'est difficile de me troubler. C'est bien vrai. Pour ça que vous avez remarqué, vous pouvez faire n'importe quelle connerie derrière moi. Je continue mon histoire d'une manière absolument imperturbable. Et vous avez la même femme pendant 30 ans. C'est très difficile de vous troubler. Alors, il n'a pas bougé, je l'ai vu. Certains héros, c'est important. Alors, il y a par exemple, pour qu'on comprenne bien l'aventure de ce livre, il y a par exemple une dame qui s'appelle Anna Walters qui a commencé à étudier à 28 ans pour devenir avocate et sauver son frère injustement condamné pour meurtre. Elle a fait 15 ans d'études, pendant ça, elle était en taule, mais elle l'a sauvé. Exactement. Au bout de 15 ans. Alors, il y a une personne très peu connue qui s'appelle Gérard Duché, qui est membre d'un réseau de résistance qui a risqué sa vie pour voler les plans du mur de l'Atlantique. Absolument, et qui a donc contribué au succès du débarquement. Tout à fait. Ce sont tous ces jeunes héros, tous ceux qui ont osé, à un moment précis, alors que ce n'était pas prévu, qu'on retrouve dans ce bouquin. C'est bien. Oh, vous êtes pas mal non plus. Je l'ai bien vendu, ça. Ah, très bien. Merci, Pierre. Pas non plus d'essayer de vous faire. Alors, commencez pas à jeter de l'eau. Alors, à partir de maintenant. Je les sépare. À partir de maintenant, je les sépare, Pierre, je les sépare. Vous répondrez à la place de Ramzy. Alors Ramzy, comment se passe la tournée? Formidable. C'est Edouard Baird qui nous a... Il a trop peur. Il a même pas la gueule, comme on dit. Excusez-moi. Pardon, je cherchais mon mot. Excuse-moi. Je cherchais mon mot. Alors... C'est un grand n'importe quoi, cette émission. Pierre Belmar, il y a un truc fou. Oui, c'est que vous organisez des aventures qui vous arrivent à vous parce que vous n'avez plus d'autres à raconter. Oui, c'est un travail considérable. Dans les coulisses, Pierre Belmar m'a raconté que hier, il arrive, il ouvre son frigo. Il croyait avoir des œufs dedans. Plus d'œufs. Il était minuit. À ce moment-là, l'épicerie en bas de chez lui est fermée. Heureusement, sa cousine Adèle, qui habite à moins de 50 mètres de chez lui, et là, Arthur, soyez avec moi. Pierre Belmar, il est minuit, appelle Adèle, demande « As-tu des œufs? Je veux une omelette. » À ce moment-là, Adèle se réveille en sursaut. Elle répond à Pierre Belmar. Adèle, Belmar lui dit « Oui, j'ai des œufs. Il est déjà 10:30. Pierre a encore très faim. Son ventre gargouille. » Histoire vraie. Histoire véridique. C'est dans mon livre, vécu, 40 euros la page. C'est vécu. Il se ment par page. À ce moment-là, soyez... Non, connard, bah. Je vais te dire un truc. J'arrive des States et là-bas, c'est pas comme ça. Exactement. J'arrive des États-Unis. Donne-moi une preuve que tu viens des States. Ils ont des chaperons. Oui, Burnett. Merci, merci. Cette émission est un grand n'importe quoi. Alors, voici tout de suite encore un bêtisier classique des films du cinéma et des ratages et des fous rires. Voici Les Anges Gardiens avec Gérard Depardieu et Christian Clavier qui sont déchaînés. Ils sont incapables d'aligner deux mots. Un peu comme moi depuis 2 minutes. C'est quoi cet avion? On va avoir un zéro en main. Mais c'est pourquoi. La serrure est arrachée. Ah ben elle est tombée comme ça, vous savez, ça doit être à l'aéroport, un pickpocket qui a essayé de vous. Avec le rasoir. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Ça vous fait rire. Personne ne pourra y toucher. Oh. Le masque du petit. Bu. Prénom est Bou. Bouline. Linbu. Ah pardon, excusez-moi. Bu. 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 Ah. Ah.
accueillons notre chirurgien d'ambiance. Regardez comme il est beau. Alors, ouais. On va démarrer tout de suite avec des belles images. On va démarrer. On va démarrer. Commencez par me charrier. Je suis très tendu ce soir. Je suis totalement sur mes gardes. On y va? Où? Bah voilà, maintenant, tout de suite, des images. Le 31 mars... Qu'est-ce qui se passe, Francis? Où vous allez? C'est un miroir. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas supporter de voir des trucs mal rangés. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à supporter. Et voilà. Je vais y aller, moi, parce que... Je suis fatigué, hein. J'ai soif. Le problème, quand il y a un papier sur un miroir, c'est que ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Alors allons-y. Je voulais enlever ce papier, je l'ai fait. Je voulais le faire et je l'ai fait. Francis, voilà. Regarde, qui est là? Oui. C'est Edouard, tout va bien. Voilà. Francis, vous connaissez Nicolas? Arthur, ouais, on se connaît. Sécurité. Tu as coupé tes cheveux? Tout va bien. Arthur, tu as coupé tes cheveux? Francis. Tiens, ça t'apprendra à balancer. Non, commencez pas, je vous jure. Allez, Nicolas, ne vous laissez pas embarquer, sinon tout va bien. On est mort. Hein. Le 31 mars 2005, c'est vous vous souvenez, c'était le lancement de la TNT. De la TNT, exactement. La télévision numérique terrestre. Et entre autres, le lancement de la chaîne Direct 8, la chaîne du groupe Bolloré. Et de Vincent Bolloré. Et alors, dès la première minute, ça commence très, très fort. Chacun dit un nom de grand patron, c'est génial comme jeu. Lagardère. Bernard Arnault. Et donc, pour nous, ici, aux enfants de la télé, ça a Michou. Été une mine d'or. Non, faux petit patron. Michou, petit patron, oui. T'as gagné. Lunettes bleues. On n'a pas dit les couleurs. On dit des noms de gens qui ont des lunettes bleues. Michou. Économisez votre voix, vous jouez demain sur scène. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous, ce qui compte, c'est alors, vous. Alors, on en était au groupe Bolloré. Combien de KF, combien sur l'année? Peu importe, surtout des images et une mine d'or pour les enfants de la télé. Excusez-moi, qui êtes-vous? Une minute, personne. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Mon nom est personne, je pars, je viens. Très bien. Mon nom est personne. C'est un truc bizarre. Alors, donc, voici des images de la première minute de la TNT. Et ben, attendez, il est là, je vais me fâcher. Ne montrez personne du tout. Vous avez trop loin, ils sont les jetons, les. Je vais péter un câble. Comment je peux leur péter la. Qu'est-ce que tu as dit? C'est qui ce mec? Qu'est-ce que tu as dit? Mort aux étrangers? Qui c'est là? Casse-toi! Il a dit mort aux étrangers! Casse-toi! Tu te casses! Il se casse de mon pied! Tu te casses! Non! C'est pas bien ce que tu as dit! Ça fait trop longtemps que je me la ferme! Petit con! Quoi? Merci! Non, il est. Doucement, là! Attention! Qu'est-ce que tu as dit? Il y a trop d'étrangers en France à Babar! Belle mentalité! Ma mère est une salope! C'est ça que j'entends! Comment? Ma mère a accouché avec tout le monde ici! Enlève ta veste! Enlève ta veste! Attendez, Edouard, il faut reprendre l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous battez pas. Tout va bien. Et au début, il a un secret. Qui est ce micro? Camarade, j'arrive de l'Elysée. Camarade, j'arrive de l'Elysée. Tout va bien. Le président Chirac vient de déposer 80%. Une gerbe, il a vomi. Pierre Chernia accepte de prendre les pleins pouvoirs. Alors, ce que je propose. Attendez, non. Arthur, qui est le chef de l'émission? On calcule Pierre Chernia. Que tout le monde se remette son micro. 1, 2, 3, roi du silence. C'est un jeu. Non, c'est pas le moment, Francis, on va parler de votre album. Roi du silence. Alors, Francis. 1, 2, 3, roi du silence, tout le monde sauté. Vous. C'est vraiment pas bien. C'est bon, ça va. J'ai reçu 2-3 gouttes. Attendez, s'il vous plaît. Allez, rangez-moi ces bouteilles. On peut quand même le faire. On va continuer. On sait jamais. Regardez, il y a nos amis du Gopet Show, ils sont là, ils se disent qu'est-ce qui se passe dans cette émission. C'est bon. Ce qui m'inquiète, c'est que Ramzy a disparu. Ben, Ramzy est parti, il a raison, il veut pas attraper froid. Ramzy est parti avec Edouard Baird. On va parler de votre album, c'est n'importe quoi. Ah, on fait moins le malin. Ça prouve qu'on s'amuse. Cet album... Arthur, je la dégoupille. Oui. Ramzy. Non. Quoi? Le droit de me désintéresser.
C'est n'importe. Il est où? Où sont-il? Revenez. Bonsoir. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part n'importe où, guidé par le hasard. Alors, allez bien, allez bien. Mets-toi là. La paix, allez, la paix, ouais. La paix entre les peuples. Allez. J'ai rien de manière. Alors, s'il vous plaît. Tu m'as sauvé, c'est gentil. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir, s'il vous plaît. Arthur, j'ai mon invité Éric Lalanne qui n'a pas fait une télévision en 30 ans. Ah merci, Éric Lalanne. Enfin, on m'invite. Éric. Alors ah, écoutez, attends, j'essaye d'être dans les lignées de mon frère. Tu peux pas revenir sur la perruque de ce ouais, mais il est où? Mais. Elle vaut cher cette guitare. Je vais rentrer chez moi. Cette guitare, on peut la casser ou. Non. Il y avait une perruque. Au revoir. Alors remettez votre micro qui est resté dans le pull. Alors bienvenue sur TF1. C'est un peu un grand n'importe quoi, totalement incontrôlé. Qu'est-ce qui se passe, Edouard? Non, je dois y aller parce qu'il y a ma mère qui s'inquiète. Alors Edouard, pendant que vous y allez, je rappelle que à quoi bon que vous avez écrit, réalisé, dans lequel vous jouez, et sur les écrans le 13 avril. Qu'il faut aller voir ce spectacle, ce film, magnifique film avec des grands comédiens comme Benoît Poulvorde, comme Jeanne Moreau, comme Jean Rochefort. Comme Tiara Mastroianni, comme Nader Boussadi, enfin bref, merci d'être venu jouer avec nous. Merci. Merci. Vous avez remarqué. Salut Edouard. Merci. Attendez, il s'en va. Merci beaucoup. Il avait une perruque. Mais oui, il avait une perruque. Je ne savais pas, moi. Mais si, depuis le début. D'ailleurs, le vendeur de perruques nous l'avait dit, il avait une perruque. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes battu? Il n'est pas resté derrière l'escalier là-bas? Tu sais comment on m'appelait avant? Joe l'esquive. C'est impossible qu'on me rattrape. Mais il était où, lui? Je sais pas, moi, j'étais concentré dans la fuite. Mais ça se trouve, il s'est cogné, il s'est fait mal, il a allongé là-bas. Non, effectivement, j'ai vu un mec avec des longs cheveux allongés par terre. Maintenant, peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui. Et il va m'en vouloir, d'après toi, ou pas, là? Non. Il avait l'air vénère, un peu. Hein. Non. Il est souvent comme ça. Parce que moi, avec ma grosse voix, je fais sérieux, là. Moi, je m'appelle de lui, moi. Là. Alors, ce que je vous propose pour se détendre un petit peu... Je me détends pas, je suis vénère, moi. Moi, je l'attends, ramenez-moi, vas-y, la lame. Ramenez-moi la lame. C'est qu'on finisse la rubrique de Nicolas. Moi, j'ai plus mes filles, j'ai mais plus c'est ma place. Pas grave, c'est ça le professionnalisme. C'est la deux têtes, si t'es un professionnel, c'est deux têtes. Si tu connais par cœur. Ah, monsieur, allez. Le premier pour foutre de la flotte sur la tête des invités. Ah, par contre, pour faire sa rubrique, ça. Bah, on y va de ses filles, j'ai paniqué ou quoi? Pourquoi je prends cet accent, moi? Attends, Eric, faut que je prenne le truc. Ça va? Tu trouves? Ça va pas tenir. Dis à ta mère que tu regrettes. Dis à ta mère qui est là que tu regrettes. Attention. Dis que tu regrettes. Dis maman, je regrette. Oh. Non. C'est pas solide. Non. Attention, descendez, s'il vous plaît. Descendez. Ne les encouragez pas. Stop. Alors. Non. Merci. Non, arrête. Vous faites les veines. Arrête. Tu vas te faire mal. Je me pète les veines. Attention. Regarde, tu vas te faire mal, là. Allez, asseyez-vous. Ça dégénère. Non. Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Ah, ben voilà. Oh. Ça va aller. Il y a quelqu'un qui veut lui faire... Hélène, du bouche à bouche. Non. Mais regarde, c'est bon. C'est bon. Ah, t'as peur. Hein. Allez. La peur, c'est pas du bouche à bouche. Oh, la honte, Randy, la peur de Francis Lalanne.
Alors, attendez. Francis, oh là, Francis, on va parler de... J'ai eu un bisou. Un bisou, un bisou. Francis. Alors, reste là. On me fait signe que c'est bientôt la fin de l'émission, mais qu'on n'a pas parlé de l'album. Il est en train de perdre du sang. Je suis en train de perdre Ramzy, là. Putain. Putain, là. Est-ce qu'on... est-ce qu'on peut juste débrancher la table, parce que là, on va s'électrocuter. Mais non, regardez, avec la langue, on peut faire ça. Non, 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 non. J'ai eu peur. Non, 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 ça y est, Francis. Non, 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 arrête, 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 arrête. C'est dangereux, c'est dangereux. On a déjà perdu des gens, hein. Alors, Francis. Eh, je vois trop. Vous venez de sortir un album qui s'appelle Francis Lalanne. Achevez-le, putain, achevez-le. Alors, juste... Je suis le seul arabe ici, comme par hasard. Ramzy. Comme par hasard, le seul arabe ici. Ouais. Regardez. Alors, c'est la sortie d'un subtil cocktail de chansons au son très moderne. Fruit d'une collaboration inédite, ce nouvel album va vous surprendre. Le poète français semble avoir confié la magie de ses mots, ses plus beaux textes et ses compositions aux sorciers britanniques. Oui, il s'est accompagné, il s'est aidé de l'arrangeur, je crois, de Jamiroquai. Et des musiciens du groupe. J'ai quand même bossé mon truc. Et moi, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort parce que c'est énorme ce qu'il vient de faire. Voilà. C'est un peu, j'ai envie de dire... La confrontation et la fusion de deux univers diamétralement opposés. Hein. Il a déjà vos servi, balades, hein. Votre émotion et, j'ai envie de dire, le groove, le funk, le rock et la world music. C'est dans le public qu'on m'a donné un pansement. Dans le public. Super. Voilà. Le public. Viens ici, viens ici. Attends, non, non, attends. Viens ici, viens là, viens là. Francis, viens mon bébé, viens mon bébé. Viens mon bébé. 10 chansons. Continue, continue, continue. Ouais. Tu le montres gentiment et vas-y, vas-y. 10 belles chansons de Francis Lalanne. Voilà, allez, vas-y, montre-le, montre-le. Et un beau livre de Pierre Belmar. Voilà. Et une belle émission d'Arthur. Une chanson d'Hélène Segarra. Et alors, Pierre Tchernia, vous avez réalisé ce magnifique double DVD. Pour tous ceux qui ont aimé ou qui voudraient découvrir les frères Jacques, eh bien voilà. Non mais laisse-moi terminer. Eh bien, il y a un double DVD magnifique et bravo Pierre. Heureusement que vous êtes là, vous êtes la mémoire de la télévision et heureusement que vous êtes là. Intérieur, extérieur. Alors, photo. Hélène, un Kleenex. Hélène, un Kleenex. Tiens, prends ma chemise. Hélène, le. C'est le show business. C'est le show business, bien sûr. Oh là 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 là. Tiens. Tu continues à le montrer, merci. Maman. Je sais même plus quel mois on est. Alors, enfin, Hélène. Enfin, Kleenex. Hélène, c'est un best-of que vous avez sorti. 18 belles chansons avec 3 inédits et un livret plein de belles photos. Non, continuez, continuez. Ça va, Ramzy? Ça va, Ramzy? Ça va. Et Eric et Ramzy. Oui, Eric et Ramzy. En tournée dans toute quand la même. France. Ah, quand même. 2 heures, on l'attend. Si vous aimez la folie, l'humour, surtout l'humour, Eric et Ramzy, si vous ce sera un bon moment, notamment à l'Olympia du 27 mai au 5 mai. Juin. Je crois que c'était juin. Une émission particulière. C'est Alain, toi-même, tu sais, 2005, merci. Dans le bac. Merci, voilà. Merci. Les gars, c'est vous. Merci, merci à vous. Merci, merci au public. Merci, merci, merci. Allez, viens. Allez, viens, mon vieux. Au revoir, Pierre Belmar. Viens, mon vieux. Vraiment, on n'en peut plus. Sincèrement, c'est plus possible. Franchement, c'est une chose vraiment terrible de voir ça. Je ne vais pas prendre l'escalier. Non, non, on va passer par là. Voilà. C'est vraiment pas possible. Alors, mais me faites-vous salut. Hein. Pierre, merci, ça n'a pas été trop dur ce soir. Non, c'était très bien. Je te fais une bise, mon ami. Allez, je te raccompagne. Vous venez quand vous voulez, les garçons. Au revoir, Pierre. Vous avez bien vu ta perruque. Je suis de la télévision. Avec des... C'est spécial aujourd'hui. Oui, minable. Spécialement minable. Merci, 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 merci. Ça devait être une émission normale et c'est devenu un grand n'importe quoi. On s'est beaucoup amusé. Merci Francis, merci à Serge Calfon. Et comme le disait Valérie...
Au revoir. Bye.